Et bienvenue sur cette magnifique premier instant de complètement raté de pré-show de Valorant. Je ne sais pas si j'ai entend bien. Pas de retour. J'ai aucun retour. On n'a pas de retour, mais on nous entend. Mais on nous entend très bien. Je suis ravie du coup d'être en votre compagnie, Renaud et Lou, pour parler justement des équipes qu'on a pu voir. On vient de découvrir le trailer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, c'est sûr qu'on a augmenté le nombre d'équipes ici, 10 équipes, la petite présentation qu'on a pu voir, on a pu redécouvrir tous les rosters qui sont enfin finalisés, ça a pris son temps, jusque hier en fait, on connaissait exactement. Pas encore le line-up, donc un bon petit rappel pour lancer la saison. Ouais, moi je suis ravie. Alors après, c'est pas la vidéo où Fatih tient ses chaînes et où les BDS tiennent leur chien enragé qu'on avait pu avoir au premier split. Mmh. On comprend bien que c'est pas possible de le faire à chaque split. Mais ouais, la vidéo est sympa. Il y a des jolis petits rappels, des petits clins d'œil, notamment avec le fumigène de Jinx au moment où on voit la Carmine Corp, la lampe de Genie, Bombi Genius. Donc ouais, il y a de l'idée et moi j'ai vraiment, vraiment hâte d'être demain. En vrai. Ouais, je pense que la hype commence à monter, la sauce un peu aussi. Pas trop de pression pour demain d'ailleurs, parce que on le sait, il va y avoir peut-être un débordement, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, il y aura certainement plus de hype que pour le split 1. L'entrée de la Carmine joue aussi, évidemment, on en parlera. On en parlera en clôture, étonnamment. Bonjour les statistiques, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous, on a de la place, tout va bien, la moula. Donc évidemment, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on est à l'aise avec ça ? Est-ce qu'on se prépare mentalement ou pas du tout ? Moi j'espère que en fait la progression de la ligue se fera sur tous les splits à venir. Là c'est clair qu'avec ce deuxième split, on a vraiment l'impression de passer à la vitesse supérieure, passer en mode 2.0, plus d'équipes, des structures et des joueurs plus hype, le niveau qui a l'air de s'être élevé aussi un peu, donc c'est clair que c'est très enthousiasmant. Moi j'ai tout autant hâte que vous que ça commence, mais c'est vrai qu'on rappelle qu'on est qu'au début au final de cette ligue et ça ne peut que s'améliorer en fait. Après, ouais, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt bien. On aura l'occasion en plus de revenir sur le format à la fin, mais que les équipes jouent tous les jours, qu'il n'y ait pas un jour où plus des équipes, enfin une semaine où des équipes vont jouer trois fois, un autre où certaines équipes vont jouer deux fois. Donc là, on voit que c'est un peu tout le monde à égalité. On va pouvoir voir son équipe préférée autant que les autres au final sur chaque semaine. Et je pense que ça permet aussi aux joueurs d'avoir un environnement quand même bien professionnalisé. On sait qu'en début de semaine, on a les OFI. Sur la fin de semaine, on peut être plus se focus sur les pracs, etc. Donc j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner sur ce format. Bon, de toute façon, on va déjà vous donner un petit point de vue sur le sommaire de l'émission. On passera à chacune des équipes dans l'ordre suivant. OG, BGNews, Sector 1, Wild, MDR, Mad Lions, Vitality, VMS, BDS et on conclura sur K-Corp avant de revenir justement sur le planning puis même le format. Je me sens comme à l'école, là, ça va être l'exposé en fait. Ok, trois parties. Lou, de toute façon, elle est rodée, il n'y a aucun problème. Jusqu'ici. Évidemment, on va commencer, comme je vous l'ai dit, avec OG. OG qui a opéré pas mal de changements, on le sait, au final. Enfin, pas vraiment, mais en tout cas, des petits changements qui ont pu donner une autre atmosphère à l'équipe. C'est une équipe qui, on l'a vu pendant pas mal de tier lists, était un peu moins présentée sur le haut du panier. Qu'est-ce qu'on en pense, Renaud ? Alors c'est vrai qu'au niveau purement transfert, au final la team OG est une des équipes qui reste le plus stable en fait entre les deux splits, puisqu'on ne change que le duelliste avec Lynn qui,
qui a été écarté de l'équipe. Heureusement, il est tombé sur ses pattes, on le verra un peu plus tard, pour aller chercher donc au final Connect, qui va retrouver sa place lui aussi. Connect, ancien joueur de Sector 1, et qui du coup devrait retrouver ici aussi le rôle plutôt de Dioly. C'est vrai qu'on le voit avec les bras de Breach, parce que chez Sector 1, il était en mode initiateur. Là, il semblerait qu'il soit bel et bien le sniper, probablement la jet du coup pour OG. Ouais, pour OG, on essaie de se renouveler un petit peu. J'avoue que faire changer quand même deux fois de dueliste depuis le début de l'équipe, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, parce que après les OG ont fait quand même un bon split, ont quand même fait un bon split hein, sur le split 1, mais on se rappelle que Matelian avait été écarté d'abord pour laisser la place à Lynn. C'était au tout début, juste avant le début du split. Lynn était partie sur le rôle de dueliste du coup. Là, c'est encore le dueliste qu'on écarte pour prendre un autre joueur Connect, et en plus Foxio, qui était à l'origine le dueliste de l'équipe, en fait ne récupère pas son rôle. Ouais, donc, alors est-ce que c'est l'arbitrage qui s'est fait entre on pense que Connect est meilleur sur le rôle que Foxio, ou alors Foxio a fait ses preuves en tant que support du dueliste, en tant qu'initiateur, je pense notamment sur Kayo, et on se dit on va le laisser dessus parce que ça marche. C'est vrai que moi je tendrais plutôt sur cette deuxième option, parce qu'avec son Kayo, franchement Foxio a été une référence quasiment tout au long de la saison. Avec OG, globalement, ouais, ça a bien fonctionné pour eux, et c'est clair que je ne les vois pas changer à ce niveau-là. On peut quand même évoquer possibilité ratée d'avoir Kenny S potentiellement dans cette line-up. Exactement. Bon, un peu triste. Alors, on a troqué un cas pour un autre, c'était plus ou moins ce qui a été communiqué aussi. Et quel enfer. Elle réagit déjà si mal à mes jeux de mots nuls de 40 pas mal, pas mal. On va afficher la line-up en entier d'ailleurs. Et de fait, c'est une occasion manquée, puisqu'on aurait pu simplement introduire Kenny S auprès de cette équipe OG. On sait du coup plus ou moins que ça a été fait notamment, ça a été une occasion manquée notamment à cause de la politique de Riot. Ça a été décrié ou pas, en tout cas ça a été mis en avant sur Twitter à de nombreuses occasions. Et c'est vrai qu'on peut pas faire du mercenariat aussi facilement entre les différentes équipes. Ce qui choque les gens, c'est que des fois ça a l'air de passer et des fois ça bloque, et tout ça est un peu opaque, donc on ne sait pas trop pourquoi par exemple un TenZ a pu passer de Cloud9 à Sentinels, et là pourquoi un Kenny ne peut pas passer de G2 à OG pour un split. Donc dans tous les cas, ça ne se fera pas de Kenny S dans la ligue, mais un Connect qui retrouve au final sa place aussi dans une très bonne équipe. Alors oui, il passe des champions en titre à COG qui ont fait top 4, mais dans l'idée, je pense pas que ce soit tellement un step down pour lui, donc c'est quand même une bonne nouvelle quoi. Pour vous, à l'heure actuelle, ça fera pas actif de transition entre chacune des équipes, si on devait évoquer rapidement les forces et les faiblesses d'OG et de son roster à l'heure actuelle pour ce split 2? Pour moi, ça va surtout se jouer justement sur ce changement de dueliste, parce qu'en vrai, on sait à quoi s'attendre des autres joueurs. On sait qu'Enko est quand même souvent régulier sur son taf de Sentinelle ou de Viper. Ça dépend en fait, en fonction des maps. Je pense notamment à des maps comme Breeze, où là, on va plutôt le voir sur des Viper. Enko, on sait à quoi s'attendre. Foxio, c'est toujours de l'initiateur ou du second dueliste. C'est quand même assez situationnel, mais il supporte très bien les flash dash. Voilà, ça déroule. Et je pense qu'il saura le faire aussi avec Connect, comme il le faisait avec Lynn. Pour moi, le vrai facteur X de cette équipe DOG, ça va être Connect. Ça va être, est-ce qu'il va réussir à s'intégrer à l'équipe? Est-ce qu'on va réussir à jouer pour lui? Est-ce qu'on va réussir à le mettre en avant et à le faire briller? Parce que c'est aussi de ça, je pense, dont on a besoin, c'est les OG, c'est prendre des entries. Parce que derrière, quand ça joue ensemble, OG, ça marche très très bien. On sent que ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est quand le premier joueur ne frag pas. Il n'arrive pas à faire son kill, et du coup, derrière, tu as un peu toute la forceresse qui s'effondre. Donc, pour moi, ça va vraiment dépendre de Connect. Et j'espère pour lui que ça se passera bien. C'est vrai que tu fais bien de noter le tandem Foxio-Lynn qui était vraiment au cœur du plan de jeu des OG. Même si on avait aussi l'aspect clutch de Low, qui avait clairement sauvé les meubles à plusieurs occasions. Donc, là, en effet, il faut voir à quel point Connect, en retrouvant ce rôle de dueliste et de sniper, va réussir à faire la différence. Mais en dehors de ça, il faut rappeler qu'OG est une équipe solide, une équipe qui était très sous-estimé sur le premier split. Je sais qu'il y avait que Binet parmi les commentateurs, en tout cas, qui croyaient un peu en eux. Et franchement, ils nous ont tous, je pense, assez impressionnés sur le premier split. Donc la base reste la même. Et pour moi, il n'y a pas de raison qu'ils soient de nouveau très compétitifs et des prétendants pour les playoffs. En tout cas, ça fait pas de doute.
On va transitionner directement vers BG News. BG News qui fait office d'une des équipes, qui est l'une des équipes qui a amorcé des changements drastiques en termes aussi d'ADN francophone. On sait que BG News s'était tourné vers beaucoup de joueurs justement français, etc. Là, c'est plus vraiment le cas. Il semblerait qu'on aille piocher dans de l'international. Ce sera un sujet récurrent, je pense, puisque beaucoup d'équipes font ce choix-là. Et inversement, on verra avec BDS notamment. Ça sera le chapitre. Oula, il est loin. Donc pour l'instant, concentrons-nous sur BG News. BG News, du coup, on avait vu des petits couacs en milieu de split avec le départ de Kyo, qui avait été remplacé in extremis par David P, du coup, qui avait sub à sa place, qui avait pris le lead in game et qui avait fait en fait que les BG News sont passés en playoff, puisque finalement, ils ont aussi réussi à arracher leur place dans le top 4. Donc, du côté des BG News, ça s'était plutôt bien passé sur la fin du split. Et là, on opère des changements, puisque David P a trouvé une équipe dans la ligue Polaris, il me semble, ligue nordique chez Desire, et Ryder a été mis sur le banc et on accueille du coup Voya, je doute de la prononciation mais je tente quand même, et Lier qui était joueur du coup de la VRL Espagne, ouais, c'est ça. Chez Team Queso. Donc on passe à l'Inter, qu'est-ce que ça vous inspire vous ce changement? Encore une fois, il faut comprendre que c'est une équipe qui cherche à se renforcer. C'est clair que la perte de David P, elle est énorme, puisqu'on sait à quel point il avait été ultra précieux pour permettre le run incroyable sur la fin du split 1. C'était vraiment, il était absolument partout. Il avait sorti un vrai changement de visage une fois qu'il était arrivé. Donc là, beaucoup de questions pour BG News. On va chercher des profils qui ont déjà joué donc dans d'autres ligues, la ligue CIS du coup qui est en stand-by malheureusement pour le moment, et la ligue espagnole. Donc voilà, c'est des mecs qui ont déjà, on va dire, une certaine habitude de ce niveau, des niveaux en ligue régionale, des niveaux aussi. Professionnel en quelque sorte. Donc maintenant, il faut voir à quel point ça va fonctionner et à quel point le passage en anglais aussi peut être négocié par le reste de l'équipe, parce qu'il reste quand même les trois Français dans cette équipe. Et ces trois Français qui ont été aussi habitués au lead que l'on sait un peu caractéristique de David P, justement, qui avait réussi, tu l'avais évoqué, à donner une ADN à l'équipe dans un second temps. Mm-hmm. On sait qu'ils étaient un petit peu, enfin, je sais pas à quel point, mais on l'a vu avec Giants notamment, quand on commence à perdre David P, on perd aussi la colonne vertébrale de l'équipe, à voir si ça va s'effondrer ou pas. À cela, on ajoute une communication internationale. Je ne sais pas à quel point ça peut arranger les joueurs francophones qui vont peut-être être déstabilisés. On sait que parmi eux, il y a des très très gros joueurs. Hein. On se souvient quand même, il me semble que c'était Bawan qui était quand même particulièrement saisissant en termes d'impact dans ces games. Donc j'imagine qu'il y aura beaucoup de choses à voir aussi de leur côté. On va pouvoir voir d'ailleurs la tête de ce nouveau roster et les différentes personnes qui le composent. The Big Fizz, du coup, Voya, joueur russe, Bawan, Lear et Daplet. Bawan, le retour du Bawan. Qui a porté son équipe pendant tout le début du split. C'est vrai. On imaginait tous que c'était un profil qui allait se faire poach potentiellement pendant l'intersaison. Au final, il reste chez BG News et c'est un pilier, on peut le dire. Il était tellement précieux pour son équipe avec son rôle de sentinelle, aussi bien pour les clutches que juste au nombre de kills, à l'impact général sur une game. On sait à quel point il peut être ultra précieux. Mais au final, la question que j'aurais, parce que je n'ai pas de réponse, désolé, mais c'est vrai, qui va lead, comment va-t-on lead, est-ce qu'on va le lead à l'ancienne, est-ce qu'on va s'inspirer de ce que David P a pu laisser comme trace au sein de cette équipe pour essayer de continuer sur la même voie. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en opérant ce changement, enfin ces nombreux changements au final, et en changeant de langage, il y a quand même, je sais pas, les ambitions de BG News qui vont être compliquées à estimer en fait. C'est-à-dire que difficile de savoir où est-ce qu'ils vont se placer dans la hiérarchie. Et pour moi, c'est assez logique de les considérer comme des outsiders, quoi. C'est vrai qu'on voit Bawan du coup avec un bracelet d'Astra, mais il faut pas oublier que c'était peut-être même un bot de Killjoy sur l'épaule qui l'aurait plus caractérisé. Lou, un avis sur ce roster globalement? Je pense que du coup, je rejoins quand même Renaud sur le fait qu'on puisse pas dire que BG News sont donnés favoris. En fait, on peut pas dire qu'ils ont fait top 4 au split précédent. Quand on voit les changements de roster, il y a plus le même lead, il y a deux joueurs internationaux qui ont rejoint l'équipe, ce qui fait un petit peu. Surtout quand on voit à quel point David P avait quand même été ultra marquant dans le lead, dans les calls, pour faire step up cette équipe. Ça avait surpris toutes les autres équipes de la ligue, et là j'ai l'impression que cet effet de surprise on l'a plus vraiment. Il y a plein d'autres équipes qui sont passées à l'Inter, donc moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'on, je sais pas si on peut les donner outsider, je dirais milieu fin de tableau, je dirais genre 5-6, peut-être 6-7, mais pas toute fin de tableau. Peut-être 7-8. Toi t'es vraiment jusqu'au bout, quoi. Ouais, du coup je pense, pour conclure sur BG News, il y a de l'idée,
c'est un roster international, donc on ne sait pas si la, finalement si la, la patte va prendre ou pas, parce qu'on a vu que chez BDS ça avait plutôt bien pris malgré quelques petites difficultés au début, donc le pari de l'Inter c'est un pari risqué, et je pense que les BGNU sont quand même tout approuvés sur ce début de compétition. Et après un truc qui reste cool aussi pour eux, c'est qu'ils retrouvent le statut d'outsider, il est cool pour eux, c'est vrai. Fait, il est très confortable. C'est vrai qu'avant que David P arrive, il y avait quand même eu les premiers indices qu'il y avait un potentiel, je me souviens de victoire 2-0 contre Wild, que personne n'avait vu venir vraiment, et qui avait commencé à nous faire dire tiens, peut-être que chez BGNU il y a quelque chose, et peut-être que chez Wild aussi ça se passait très mal, mais bref, c'est un autre débat qu'on abordera peut-être un peu plus tard. Dans tous les cas, voilà, ils sont outsiders, ils ont rien à perdre, on va probablement encore les sous-estimer je pense dans la ligue, et donc c'est ce qui crée leur plus grande chance quoi de performer. Ok, bon, on va pas revenir sur les forces et les faiblesses, vous venez de les évoquer globalement sans qu'on ait besoin de les titrer. On passe sur la troisième équipe, Sector One. Sector One qui elle aussi a un petit peu vécu cette période mercato de façon très complexe, ouais. Puisqu'ils se sont fait poacher des joueurs, on l'a vu notamment avec Connect du coup qui rejoint OG. On a un peu déserté la structure, Lou. Bah, c'est un peu triste parce que l'histoire était belle quand même. L'histoire de Sector One était belle. On a vu l'échec de Wild qu'on attendait un petit peu au même niveau que les Sector One finalement, parce que la physionomie de l'équipe était un petit peu la même en fait. C'était ces deux équipes qu'on avait vu un petit peu méga statue, bref, d'un côté comme de l'autre, avec quelques petits changements, mais c'était quand même de belles histoires des deux côtés. Et là, on a Sector One qui nous rend une copie quasiment parfaite sur le split, puisque si je ne m'abuse, ils n'ont pas perdu un match, ils ont juste. Alors, je crois que s'ils ont perdu à la fin, ça a failli faire tourner contre le dernier, c'est vrai. Leur dernier contre BGNews. Mais sinon, voilà, ça a été que des 1-1 ou des 2-0 quand même assez nets contre Sector One. Et on se dit, bon, bah, ils vont continuer ensemble. Du coup, ils ont gagné, ils vont continuer ensemble. Et en fait, il y a eu des propositions plus alléchantes. Du coup, je me dis, est-ce que la structure Sector One a peut-être pas aussi su garder ses joueurs auprès d'elle ? J'imagine que la compétition a dû être vraiment, vraiment très, très rude pour les Sector One. C'est vrai qu'on l'a vu pendant le tournoi promotion, en fait, le tournoi promotionnel où ils se font littéralement dévorer, Renault. Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, on n'a pas un peu l'impression que. En tout cas, dans la structure qui était moralement assez fixe, on a l'impression, avec Connect et Marcinho qui mettent l'ambiance, etc., on n'a pas l'impression que ça s'éteint un petit peu, et on se doute du coup de ce qui va se passer après en termes de poach. Bah, en fait, il me semble que lors du tournoi de promotion, c'est déjà plus ou moins acté que des joueurs sont sur le départ. Alors qu'ils avaient gagné, quoi. Ouais. Pour d'autres équipes, ce qui est en effet un peu paradoxal quand on rappelle qu'ils ont en effet gagné le split en tant que nouvelle équipe, que c'était une magnifique performance. Est-ce que ça montre pas justement que l'objectif de CVRL, c'est pas juste de gagner le split, tu vois ? C'est aussi de passer en promotion des VCT, et on a vu que là, les Sector One, bah, c'était un peu la limite du truc. Et le but finalement de CVRL, il faut comprendre que c'est bien de gagner le split, mais le but, c'est quand même d'accéder au plus haut niveau des régions. Et je me dis peut-être que les chefs de Sector One, ils étaient là aussi. Peut-être que s'ils avaient giga perf en promotion, peut-être qu'ils seraient restés ensemble. Justement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'au moment des promotions, en fait, s'ils savaient déjà que ça changeait, ça tirait déjà un peu une balle dans le pied. Alors même s'ils ont joué, pour avoir vu les matchs, oui, ils se font un peu écrasés et ils passent un mauvais moment dans le tournoi, mais ils ont quand même joué, ils ont tenté leur chance, ils se sont accrochés. Mais c'est clair qu'on ne peut pas ne pas avoir ça en tête au moment d'essayer de débrief un peu cette contre-perf des Sector One une fois dans le tournoi de promotion. En plus, ils tombent dans une poule où il n'y a vraiment pas de cadeaux, c'est que les équipes sont les loin, après, etc. C'est une blague, genre, c'est, pour le coup, c'était vraiment c'est une blague. La poule de la mort pour eux, mais et, voilà, et le et la poule Club Med à côté aussi, on se rappelle tous, genre, je pense. Donc, voilà. Donc, dans l'idée, c'est vrai que bon, on va découvrir du coup la set suivante. Puisque dans l'ensemble, comment ? Exactement, le changement des joueurs avec donc les moins et les plus. Donc ici pas de photo hein, évidemment, il y a trop de joueurs en question. Et donc voilà, il y a une équipe qui se fait complètement massacrer en quelque sorte, puisqu'il ne reste que deux joueurs au final, c'est donc Ibex et Mark T. On a perdu Shin, on a perdu Connect, qu'on a déjà évoqué un peu plus tôt, qui est donc allé chez OG. On a perdu Ghoster, qui est chez MDR. C'est ça. Donc voilà, on reparlera de tout ça. Et donc les arrivées, et bien là c'est donc le changement inverse. On quitte la francophonie en quelque sorte pour aller vers l'international. Donc Olizera qui est portugais, Kupert qui est serbe, je crois, quelque chose comme ça, ou tchèque. Je confonds toujours les drapeaux, et Seiko qui est anglais de mémoire. Voilà, un beau melting pot, hein, on empruntera l'expression à nos voisins anglais. Moi j'avoue que je sais pas ce que ça va donner en vrai. Ouais. Pour moi la synergie côté Sector One, elle était très forte parce qu'on sentait que c'était des potes. Que c'était des potes avant tout, que ça rigolait beaucoup, qu'il y avait une ambiance bon enfant malgré la fin du split qui forcément a dû être un petit peu plus tendue quand on sait que les joueurs s'en vont. Mais on a eu quand même l'impression qu'il y avait une vraie...
amitié dans le jeu et peut-être en dehors, peut-être plus entre certains joueurs que d'autres, mais quand je pense à des duos qui étaient chez Sector One qui fonctionnaient depuis très longtemps, je pense à Shin et Ghoster par exemple, avec Idex aussi puisqu'ils jouaient chez, chez Mega Statue pendant longtemps, Connect et Marty pareil, ça rigole, ça s'entend bien, il y a une belle synergie dans le jeu, et là je me dis, le passage à l'Inter il pourrait peut-être, tu vois, ruiner un petit peu cette identité de Sector One, qui est une équipe quand même de mecs qui aiment jouer ensemble. Avant de passer sur le roster complet, on va juste parler de ce qu'évoquait Lou aussi, à savoir, est-ce que derrière l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher les VCT, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être aussi intéressant de savoir que c'est le book parfait, idéal, pour se vendre auprès d'autres écuries aussi, et à quel point ça a été décisif pour eux. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, enfin à l'heure passée plutôt, les Sector One envisageaient plus une reconversion que d'aller chercher les VCT, et que du coup il y avait un ordre établi? Je pense que surtout le but des joueurs, c'est d'être dans une équipe avec laquelle ils se sentent à l'aise, avec laquelle ils ont envie de jouer la saison, etc. Donc au final, quand tu vois aussi les propositions qu'ont pu recevoir certains joueurs, on comprend largement aussi l'envie de changer de structure, de jouer avec d'autres personnes aussi, de retrouver d'anciens coéquipiers même parfois. Donc c'est clairement un tout qui explique ces changements chez Sector One. Même si, au final, c'est vrai qu'on passe un peu en mode mercenaire en allant chercher ces joueurs qui ne sont... Alors, j'ai vu les gens dire dans le chat « inconnus au bataillon », c'est pas tout à fait correct. C'est quand même des joueurs qui ont des références dans d'autres ligues régionales pour la plupart. Et d'ailleurs, mea culpa pour Seiko, qui est polonais et pas anglais. Pour ça, là-dessus, my bad. Mais du coup, j'ai l'impression qu'ils n'ont surtout pas eu trop le choix, parce qu'on n'a pas non plus un pool de joueurs francophones qui est gigantesque, dans lequel aller piocher, quoi. Non ? Ouais, du coup, on va pouvoir voir le roster de ces Sector One. Pas de photos, évidemment, les joueurs viennent de rejoindre, ils n'étaient pas présents au Media Day il y a quelques mois de ça. Moi, si je peux me permettre une analogie, et vous me dites ce que vous en pensez, je trouve quand même, pour faire une analogie avec les Game Changers, qu'on aura l'occasion de caster d'ailleurs juste après ce pré-show, on comprend bien qu'en fait, les Game Changers, le but, c'est pas seulement de créer une scène féminine, c'est au final, de bien regrouper les deux scènes à l'arrivée pour avoir une scène de plus en plus mixte. Et du coup, du côté des VRL, moi, j'aimerais bien qu'on comprenne que, oui, l'enjeu, c'est de faire un très bon split et potentiellement de gagner la ligue et être à très haut niveau français. Mais c'est aussi d'avoir un bon niveau à l'international. On a trop de Français qui sont absents des Masters, qui sont absents des Champions. On est sous-représentés dans les compétitions internationales. Et moi, j'aimerais vraiment que ce split, ça soit plus un tremplin qu'une finalité, en fait, pour les équipes, que l'objectif ça soit vraiment d'aller au VCT, d'aller plus loin et pas seulement de se contenter de sa petite ligue, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Bien évidemment, mais l'analogie en amène une autre, sans vouloir faire la même relou, puisque évidemment le comparatif le plus clé, c'est en termes de format aussi, c'est ce qui s'opère sur la LFL notamment. Et on voit qu'à partir du moment où il y a des joueurs inter qui rentrent aussi dans certains rosters, qui viennent compléter certains rosters qui sont en partie français, ça rajoute aussi du niveau, ça rajoute de la hype et on monte en puissance. Et là, on le voit bien, c'est considérable, quoi. La hype et même les enjeux, je pense, en termes de niveau, en termes de stack, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais là, on découvre les équipes. Il y a beaucoup d'inconnus. On imagine évidemment que c'est stack. Enfin, je veux dire, est-ce que finalement, c'est pas un peu un aboutissement pour le Split 2 et pour la VRL de manière globale, d'afficher un niveau un peu comme la LFL où on vient chercher des talents européens pour recoller à la scène des VCT, Renaud? En fait, pour moi, c'est un tout, et en fait, c'est le débat équipe française contre équipe internationale, etc., qui est revenu sur le tapis à plusieurs occasions. Ce qu'on va gagner en étant à l'international, c'est que tout le monde va devoir parler la même langue et essayer de s'entendre avec... parfois un langage un peu simple, mais ça permet aussi d'avoir des changements plus faciles. C'est 100 fois plus facile de trouver un gars qui parle anglais qui peut jouer Sentinelle que trouver un Français qui joue Sentinelle et qui a le niveau aussi pour le faire. Donc c'est ça, on ouvre les portes de joueurs potentiels, et avec les ligues régionales, on voit qu'au final, il y a un vivier énorme à aller, sur lequel on peut aller piocher, quoi. Et qui colle aussi avec l'équipe, qui colle avec l'image de la marque, parce qu'on sait qu'il y a quand même, je vais pas dire des conflits entre joueurs sur notre scène, mais il y a quand même des profils qui peuvent plus ou moins jouer avec certains autres profils, et j'ai l'impression que côté inter, c'est un peu agité le drapeau blanc, c'est des profils qui sont peut-être plus neutres vu qu'on n'a pas forcément déjà joué ensemble, etc. Donc c'est un peu aussi un peu de fraîcheur. On n'a pas toujours envie de recycler les mêmes joueurs qui se retrouvent, qui sont baladés de roster en roster. On a aussi envie de faire le pari d'aller chercher d'autres joueurs qui ont performé dans leur ligue régionale et se dire que ça peut aussi marcher. Donc moi, je pense que c'est un pari intéressant, c'est un pari à tenir, et je pense que c'est un pari qui ne sera pas tenu par toutes les équipes. Pour être très honnête, je pense que ça ne va pas marcher pour
toutes les équipes qui sont passées à l'Inter. Ça va être la bêta test là, je pense. Et à bien des égards aussi, ça soulève un second point. On souhaite évidemment à Martin Ligno l'arrivée, une bienvenue dans le chat, bien sûr, le frère. Mais dans l'idée, moi, ce qui m'interroge un petit peu, c'est aussi de savoir que, et on va le voir de toute façon sur le split, c'est que très certainement, la colle en Inter, ça va créer, peut-être diviser des rosters qui sont en partie français, en partie Inter. Donc on sait que ça va peut-être aussi être clivant et que ça permet aussi de ne pas forcément prendre en termes de sauce. Quoi. Et c'est là où, du coup, il faut quand même rappeler que chez Sector 9, on a cette anomalie depuis le split 1. C'est un coach qui est portugais, qui ne comprend pas un mot de français. Et c'est ce qui fait que déjà, on avait cette barrière, en fait, un ou deux, je pense chez Sector 1. On avait cette barrière entre les joueurs qui communiquaient en français et le coach qui intervenait en anglais. Donc il y avait déjà un peu cette transition de fait entre les deux langues de toute manière. Et là, c'est un peu peut-être la suite logique. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'aimerais surtout insister sur le fait que les joueurs qui ont été recrutés ne viennent pas de n'importe où. Oui. On a un joueur qui vient de la Ligue, du coup, la Ligue espagnole, il me semble, avec Olizar. Je ne suis pas sûr. Kubert qui a fait une saison aussi en Ligue régionale allemande. Kubert's. Ok, Seiko il a fait une ligue polonaise, c'est ça, il a fait deuxième avec Awaria, donc mine de rien, quand on voit à quel point les Anonymous sont les super lents dans le tournoi de promotion, prendre un joueur qui était chez leur dauphin Awaria, c'est quand même loin d'être anodin. On a un joueur qui a fait une saison chez Penta, c'est Kupert, ils ont malheureusement raté la qualification en ligue allemande, mais c'était pas loin dans l'idée, donc on cherche pas n'importe qui non plus, c'est des joueurs qui ont déjà baroudé depuis un moment et qui ont déjà pas mal d'expérience en fait. Et qui pour certains ont des prétentions aussi à l'international à niveau VCT. On y reviendra aussi, ça a été je pense le pari de Vitality, mais pour l'instant on va parler de Wild. De Wild, sans revenir forcément sur les faiblesses et les forces de Sector 1, je pense qu'on a assez passé dessus. Ouais. Du coup Wild, ça a été c'est la flèche dans le cœur pour ne pas citer un certain sauveur français. Ça fait un peu mal évidemment, on perd Fatih, on perd un petit peu l'ADN aussi qui avait un peu banger du côté de cette écurie là, et au final on conserve quand même certains de ses joueurs. Il y a toujours Dawn. Il y a toujours Dawn, une pas deux, comme ça avec le point américain. Dawn est toujours là. On a toujours une raison, au moins une raison de regarder les Wilds, et c'est une bonne raison, puisqu'on a toujours un des meilleurs smokers. Clairement. Mais c'est vrai qu'on change de capitaine à Renault. Ouais, on change en fait quasiment tout chez Wild. Hein. C'est vrai que malgré toute la sympathie qu'on peut avoir pour l'équipe qui nous avait séduit pendant les qualifs, notamment, on s'en souvient, leur saison, leur split 1 est complètement raté. Et je me souviens de la déception des différents joueurs au moment de dresser le bilan, c'était quand même assez clair. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que là aussi on a des joueurs qui du coup se font poach, forcément. On allait chercher du coup notamment Newzera et Mikey qui vont s'exporter sans trop de problèmes, on peut le montrer. Avec l'asset, c'est plus ou moins les deux joueurs qui sont le plus ressortis individuellement dans cette équipe Wild, donc c'est pas étonnant qu'ils se fassent choper, et Yuta et Fatih qui se retrouvent mine de rien un peu sur le carreau quoi. C'est peut-être l'équipe qui a le plus changé de choses finalement, c'est clair, dans cette ligue, puisqu'elle perd 4 joueurs, elle en garde qu'un seul. Du côté des entrées, Jake XD, du coup joueur français qui avait pu faire ses premiers pas chez Heretics, c'était pas très concluant. Je pense qu'on peut le dire, mais Heretics en général a été globalement une déception sur la scène Valorant. Je veux pas leur jeter la pierre encore une fois, mais ça a été quelque peu un échec. On va retrouver Arch qui était leader in game de chez Navi il y a quelques mois de ça, qui n'a pas réussi à se qualifier dans sa ligue régionale. Keiko et Riens qui étaient dans des ligues régionales de leur côté, ou en tout cas ont failli se qualifier. Keiko, c'est ça. Keiko, il a tenté la qualif, je crois, pour la ligue nordique Polaris, qui on le sait était extrêmement relevée. Ça n'a pas marché pour lui et son équipe. Et Riens, par contre, Riens, si vous avez suivi un peu les Sector 1 dans le tournoi de promotion, alors je sais pas comment on prononce son blaze, désolé, mais c'est ce joueur turc qui était chez Surreal Esports, et Surreal Esports qui a fait un très bon parcours dans l'ensemble dans le tournoi de promotion, et qui surtout c'est en fait le champion turc aussi qui récupère ici une équipe internationale. Après rien, attention hein, parce que ça va être des décals Tony Hawk qui vont arriver probablement sur la VRL, et on va être ravis toi et moi de caster ce genre de décal, parce que rien, on le rappelle qu'il vient quand même de Turquie, on risque probablement de jouer en général sur Paris voire Francfort, j'imagine, si on sait qu'il y a un joueur qui a beaucoup de ping, il y aura quand même je pense qu'il y aura quand même des petites décals bien cheesy. Après, à commenter on a quand même beaucoup de joueurs internes maintenant dans la ligue, c'est donc il faudra voir au niveau des serveurs, mais on rappelle que de toute façon c'est toujours fait à l'amiable entre les différentes équipes, elles trouvent le meilleur compromis pour essayer de trouver un terrain d'entente, mais c'est clair qu'avec un joueur turc, il y a un petit grand écart qui est compliqué à assumer niveau ping quoi.
Ouais, t'es plus sage que sur Twitter là quand même, hein. Parce que on a vu passer des ouais. Pings Advantage. C'est ma bonne quand même, ouais. Voilà, voilà. Bon, si on devait revenir du coup sur, ça va être compliqué de donner des faiblesses et des forces de Wild, mais avant de transitionner vers MDR, j'aimerais bien quand même qu'on essaye de conseiller à l'exercice. On va revoir le roster d'ailleurs un instant sur. Point fort Usain Bolt. Ouais. Ensuite, oui. Difficile à dire, l'imprévisible peut-être. Après, point fort Dawn aussi quand même. Je pense qu'on peut le dire. Dawn est son point américain, Dawn en clutch. C'est quand même quelqu'un, moi je dirais, en termes de faiblesse. Et je sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus. Mais pour les équipes qui sont passées à l'Inter, on a quand même minimum un, deux ou trois joueurs qui sont de la même nationalité, notamment BJ News où il y a quand même trois Français. Ouais. Du côté, à l'époque, du côté de BDS, c'était aussi deux internationaux et trois Français sur le split précédent. Du côté de Vitality, bah, il y avait Brahms et Kada sur le précédent split, donc il y avait aussi deux Français. Là, on part quand même sur un roster complètement international, si ce n'est avec JakeXD, mais les calls vont du coup être faits en anglais. Qui va prendre le lead parmi ces cinq joueurs? Tu vois, là, j'ai l'impression que c'est quand même assez incertain du côté ouais. des Wild. Et ça me fait un petit peu peur. Ah, c'est vrai que c'est. On a plusieurs équipes comme ça qui sont allées chercher des profils inter et côté Wild, on a du mal à imaginer une certaine synergie. Quoi. Ouais, parce que autant là, chez Sector 1 qu'on vous présentait avant, il y avait cette base Sector 1 qui était encore là. Dans d'autres équipes, on en reparlera, mais il y a une synergie qui a l'air aussi d'être assez évidente. Là, c'est mystérieux, vraiment très difficile que de placer ces Wild dans la ligue, de faire une quelconque estimation, parce que vraiment, c'est une inconnue quasiment totale. Et même s'il y a des joueurs qui ont des qualités, qui ont déjà une certaine histoire sur la scène, là, c'est quasiment une remise à zéro, quoi. Ouais, c'est vrai que Dawn qui va passer d'une équipe qui avait vraiment une âme et une ADN, tu vois, après c'est un peu l'évolution de chaque joueur pro aussi. Alors, on le voit qui est dans le chat et évidemment on le salue, mais dans l'idée on se dit un peu que ça peut être une transition difficile et j'espère que pour lui ça sera pas une douche froide non plus, tu vois, parce que c'est vrai que bon. Après, on a vu que ça a pris pour Sector 1, que ça n'a pas pris pour Wild. Donc, c'est finalement, des potes qui aiment jouer ensemble, bah, ça marche parfois, mais ça ne marche pas tout le temps. Donc, peut-être que c'est la solution dont avaient besoin les Wild pour se relancer sur le split. Parce que, certes, côté Sector 1, ça a marché, mais on voit bien que ce n'était pas durable, puisque les joueurs se sont fait pique à droite et à gauche. Donc, là, du côté des Wild, ça n'a pas marché sur le split 1. On part sur un roster international sur le split 2. Donc, franchement, ça peut réserver des surprises. Et moi, je pense qu'ils ont plus d'un tour dans leur sac, particulièrement Dawn, pour être très honnête. Ouais, il y a Dawn qui dit que Rayen, c'est le seul Turc qui joue correctement, donc ça va aller. On se désolidarise évidemment de tous ces propos-là et ils sont à la charge uniquement de Dawn. Transition parfaite pour arriver à MDR. MDR qui, du coup, on perd notre influenceur favori ou non, en tout cas, on perd Gibbs dans la compétition, mais au final, on arrive à composer un roster qui fait quand même très très peur notamment et qui revient dans les tier listes des différents joueurs professionnels. C'est clair que là on passe à la vitesse supérieure chez MDR, les recrutements sont très précis, on allait chercher du coup Ghoster qui est le MVP du split 1, le dualiste emblématique aussi de chez Sector 1, qui en plus de ça avait quand même montré aussi une certaine flexibilité, une capacité à jouer plusieurs agents, plusieurs rôles différents aussi, et donc Akuma aussi qui enfin retrouve une équipe, c'était un des grands absents du split 1, on aurait aimé le voir dans une équipe, mais il était sur le banc de team BDS, donc ouais, clairement on s'est renforcé ici avec ces changements. Pendant qu'on voit des choix de merch du côté des Mandatory qui ont littéralement changé d'avis puisqu'on avait du bleu et du rouge. Désormais, ce sera du rouge et du bleu. Mesdames et messieurs, on change de ligne directrice. Et pour moi, la vraie force de ce roster, c'est de prendre juste le meilleur dueliste de la ligue avec Vac. Mais je pense qu'on n'a plus besoin forcément de le présenter. Vac de chez Vitality, pour moi, Ghoster. Le mec, tu peux le trust, quoi. Tu lui mets ta vie entre ses mains, il va prendre un entry, il va prendre parfois un double entry. Le mec, il est vraiment trop, trop fort et il est tout le temps mis dans des positions difficiles et il arrive toujours à s'en sortir. Et moi, ce que je trouve impressionnant du côté de Ghoster, c'est qu'il est capable de jouer Raze et Jett, mais d'être excellent sur les deux agents. Vraiment excellent. Et Néon. Aussi Néon. Sur Raven, pardon. C'est vrai qu'il était marquant. Quoi. Donc très bon sur plusieurs agents. Et tu vois, on a souvent l'habitude de voir des profils de duelistes qui sont quand même plus à l'aise sur un dueliste que d'autres. C'est vrai. On va pas présenter Gibbs, je pense qu'on n'a pas besoin de le faire. Mais je pense peut-être à Lynn, qui pour moi m'avait quand même plus convaincu sur sa Jett que sur sa Raze. Et là, Ghoster, on voit que ce soit Jett, Raze ou un petit peu Néon,
ça déroule de tous les côtés. Et Akuma, ben, excellent initiateur ou smoker, je pense, ouais, qu'on le mettra sur le bridge, j'imagine, à moins probable. Que à moins que faut voir avec Opie en fait, ouais, mais... c'est vrai que on a Menek dans le chat, on peut lui demander, hein. On n'hésite pas, Menek, qui joue quoi. Après c'est sûr que ça peut changer d'une map à l'autre, et une des choses que j'aimerais bien aussi sur lesquelles j'aimerais bien insister au niveau de ces transferts, c'est que c'est des gars qui retrouvent des anciens coéquipiers, c'est vrai, et ils ont envie de jouer ensemble vraiment. C'est-à-dire que Ghoster a joué avec Hip et Apo pendant un court instant chez Megastitu, mais je sais que ils avaient trop envie de rejouer ensemble et ils sont contents que ça puisse arriver. Mine de rien, Akuma retrouve Opi aussi, avec lequel il a pu jouer chez Opportunist, chez BDS pendant un moment, et tout ça fait qu'il y a déjà une certaine alchimie, une certaine entente en fait entre les joueurs, et donc c'est ce qui fait qu'on sait qu'on s'est renforcé individuellement peut-être avec ces changements. On sait qu'on a peut-être aussi amélioré le mood général. Alors ça je sais pas, parce que c'est vrai que l'équipe MDR dégageait quand même une bonne ambiance générale de l'extérieur, mais ça devrait être inchangé en tout cas pour le split à venir, et c'est ce qui fait qu'on est sur une équipe vraiment qui s'est super renforcée et qui fait maintenant partie en effet de, alors peut-être pas des favoris, mais en tout cas des potentiels prétendants au play-off, quoi. Et Créa qui part pour devenir coach, alors qu'on sait qu'il était relativement à l'aise, enfin en tout cas on le sentait à l'aise sur... C'est l'auteur du plus gros clutch. Il a quand même lâché le clip de la ligue, genre, il a quand même clairement genre lâché le plus gros clip de la ligue du clutch sur Ascent. De quoi on peut parler, genre. En fait pour moi il y avait aussi des cross-smoke au Marshall qui le Marshall, ah ouais, bien, genre... le Marshall et le clip de Créa, ça il a traumatisé toute la ligue, et le mec arrive à la fin du split, dit non là je vais être coach, je vais être je vous ai fait trop de mal, je vais être coach, c'est bon les mecs, je suis sympa. C'est un peu l'ambiance, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas habituel aussi, enfin des transitions aussi rapides, généralement on a l'impression qu'il y a il y avait un parcours, tu vois, qui tendait les bras à Créa. En fait, le Créa, c'est quand même quelqu'un qui est professionnel depuis un long moment, qui grind le jeu, que ce soit Counter-Strike ou Valorant, depuis de nombreuses années. Et donc, c'est vrai qu'il est peut-être cette sensation d'être arrivé à la fin d'un cycle et de vouloir passer un peu à autre chose. Et c'est clair que le voir rejoindre Menek, renforcer le coaching staff, renforcer l'entourage au final de cette équipe, ça ressemble à une bonne idée. Et de toute façon, c'est un choix qu'il assume complètement, j'ai l'impression. Bon, les forces et les faiblesses, du coup, très très vite. Genre, si on devait même donner que des mots, finalement. Côté force, je dirais le skill pur des joueurs, ouais. Parce que là on a quand même 5 joueurs qui sont excellents en termes de skill. Moi, ce qui pour moi doit encore être approuvé, c'est le leading game, la manière de synchroniser ensemble. On avait vu que dans le premier roster il y avait des petites erreurs par-ci par-là qui faisaient que même si on comprenait globalement le plan de jeu, c'était un peu mal exécuté parfois, on checkait pas les bons corners en même temps, on s'alignait, etc. Il y avait des petites erreurs comme ça de synchronisation. Donc moi j'aimerais bien voir ce que ça va donner maintenant qu'on ramène Ghoster et Akuma qui ont l'expérience de l'équipe, qui ne sortent pas nulle part. Akuma ex-BDS naturellement, et Ghoster qui sort de chez Sector One avec qui il a remporté la ligue. Donc c'est quand même deux joueurs qui ont de l'expérience en équipe, là où on peut peut-être expliquer l'échec que parfois de Gibbs aussi à faire ses preuves, même si pour moi il les a quand même fait sur la ligue. Là on arrive quand même avec deux joueurs qui sont assez expérimentés, ouais. Donc ouais, moi c'est vraiment la synchronisation de l'équipe que j'aimerais bien voir, moi, sur ce split. Et moi, comme point fort, si je peux enchaîner dessus, c'est quand même qu'avec le premier split, on était sur une équipe et une structure qui étaient toutes neuves et qui a quand même montré de belles choses, malgré une dernière place de la Ligue, je crois. Ils avaient quand même montré des choses très prometteuses. Et au final, avec cette nouvelle version, on a quand même une base qui ne change pas, un coaching staff qui est toujours en place et qui s'est renforcé, des nouveaux joueurs qui, comme l'a dit Lou, sont peut-être meilleurs individuellement, ont peut-être plus d'expérience aussi. Et donc, en fait, tous les voyants sont au vert, en quelque sorte, pour cette équipe Mandatory, pour être performante dans le split 2. Donc là, vous découvrez évidemment la forme finale de Mandatory pour ce split 2, avec le nouveau maillot, hein, évidemment. Lou ne sait pas, c'est bien chargé de nous le faire notifier. On va passer sur la prochaine équipe, sur Mad Lions. Pendant qu'évidemment, on fait un chrono. Merci la régie blague. Pour ce merci. Moment. Merci. Faut pas hésiter à clip, hein. C'est les moments évidemment où il faut y aller jusqu'au bout. Mad Lions, du coup, qui nous vient tout droit de Ten Star, un rachat, ouais. Et une introduction dans la VRL Split 2, du coup. Ouais, alors du coup, on vous présentait avec OG l'équipe qui avait le moins changé de joueurs. Là, avec les Mad Lions qui viennent, c'est une équipe intacte, en fait, qui se présente dans cette ligue française. Ils ont en effet, du coup, fait leur première saison, leur premier split sur la ligue Polaris, où la saison régulière avait été correcte, sans plus, mais où les playoffs s'étaient extrêmement bien passés, puisqu'en effet, ils finissent deuxième. Alors moi, j'avoue que beaucoup de regrets, hein. J'aurais préféré que ce soit premier. C'est Excel qui est passé à leur place, une équipe que j'ai tendance à détester. Et du coup, ouais, bon, ils se sont arrêtés à la...
à la porte de ce tournoi de promotion. Au final, changement de structure et changement de ligue. Il débarque dans la ligue France Révolution, bien sûr. Et en vrai, c'est un plaisir, mais c'est une puissance de feu énorme qui débarque. Eux, voilà, ils ont déjà fait leur preuve. Ils n'ont rien changé dans leur compo. On sait que c'est une bonne équipe et qu'ils ne sont pas là pour rigoler du tout, quoi. On va peut-être passer le roster directement pour pouvoir parler dessus avec, avec les pseudos. Et la tête des joueurs, évidemment, la tête de proue et le joueur principal, c'est XMS, que l'on ne représente plus et qu'on ne présente plus tout court. Les autres joueurs, pour le coup, on les a déjà vus, hein, Paul V, notamment, Doma, enfin bref, c'est des noms qu'on a vus et revus déjà dans les formats internationaux. Et c'est vrai qu'on est face à une grosse équipe avec un énorme potentiel, une équipe qu'on aurait pu tout à fait voir dans les formats, dans la scène européenne, finalement. Ouais, c'est vrai que c'est pas la seule dans cette ligue française, mais on Clairement. A vu qu'ils étaient vraiment pas loin d'aller dans le tournoi de promotion. Excel était pas loin de monter aussi potentiellement dans les challengers. Donc quand on se rend compte à quel point ça se joue peut-être à pas grand chose parfois, en effet, on a avec Mad Lions une équipe, une des meilleures équipes en fait de la région EMEA, ni plus ni moins, et qui du coup est maintenant solide depuis quelques temps. C'est vrai que c'est Doma le dernier arrivé au final dans cette composition. Mais au final, tout est déjà en place, tout est solide en quelque sorte, et c'est vrai que c'est une excellente nouvelle de les recevoir ni plus ni moins dans la ligue. C'est une bénédiction, quoi. Oui, et puis à l'international, c'est quand même une équipe qui est extrêmement bien classée quand on regarde notamment sur VLRGG. Il me semble qu'ils sont top 11 Europe actuellement. Alors c'est pas forcément ultra accurate. On peut pas seulement se fier à ce classement-là. Mais, c'est représentatif, mais je pense que Mad Lions est quand même une équipe qui a le niveau pour jouer à très, enfin, qui peut jouer à très haut niveau international et pas seulement au niveau de la région France, puisqu'on rappelle qu'ils étaient quand même dans la VRL Polaris, qui était peut-être la ligue régionale où il y avait le plus de niveau, avec la VRL France qui suivait derrière, bien sûr. Mais là, vraiment, en Polaris, ça se tapait jour et nuit. C'était vraiment des très grosses équipes qui se fightaient. Et bien sûr, on est ravis de retrouver XMS parmi nous, qui avait eu une période de galère, il me semble, une fois parti de chez Alliance. Bientôt. Donc on a vu des petites phases un petit peu difficiles, et là on le retrouve chez Ten Star. On le suivait un petit peu de loin forcément parce qu'on pouvait pas casser les matchs, et là le retrouver dans notre ligue, je pense que ça va aussi motiver pas mal de viewers à rejoindre des fans d'XMS qui allaient sur le stream Polaris, qui vont se retrouver chez nous. Moi, ça me fait plaisir. Ok, donc les stats, hein, clairement. Ouais, mais que les stats, on pense qu'à ça, de toute façon, ici. Mais c'est vrai que... interrogation dans le chat, mais on peut peut-être préciser cette histoire de règlement pour pouvoir prétendre à une place dans la ligue, au final. Mm-hmm. Parce qu'au final, dans cette équipe, du coup, Mad Lions, donc on a XMS qui est français, et on a un substitut, du coup, un remplaçant qui est néerlandais. On rappelle que la ligue France Révolution, alors oui, il y a le Blast France en plein milieu, mais c'est bel et bien Benelux aussi qui est ajouté à tout cela. Et donc, la règle est claire, il faut, parmi les joueurs et parmi les remplaçants, au moins deux personnes qui ont la nationalité ou qui résident, je crois, dans les pays de la Ligue. Et c'est ce qui fait que c'est une subtilité du règlement qui a été très utilisée partout ailleurs, dans toutes les ligues régionales, notamment espagnoles, d'ailleurs. Et donc là, c'est vrai que ce deuxième split en France, on a plusieurs équipes qui font appel à cette subtilité. Et c'est vrai que ça a été pas mal décrié, que ce soit pour Vitality comme pour Mad Lions, alors qu'au final, ce sont les règles et que les gens jouent avec les règles. Elles sont comme ça. Elles n'ont pas été interprétées à aucun degré, que ce soit pour l'une des deux équipes ou pour l'autre. Oui, Lou ? Comme l'optimisation fiscale, voilà. C'est légal, c'est éthiquement, c'est discutable, mais c'est pas éthiquement discutable. C'est fait dans les règles. Les règles sont là, elles sont à appliquer. Si on a envie d'en faire plus et de faire des rosters full français, on le fait. Si on le fait pas, voilà. Deux questions. Par contre, la véritable question qui, pour moi, est un petit peu en soum-soum là-dessous, c'est quand même rien à voir avec le côté drama de ce qu'on vient d'évoquer. J'aimerais qu'on revienne sur le fait que le split dernier, il y a certaines équipes qui avaient tendance à aller chercher des hautes places, notamment pendant le VCT, et qui étaient top 4, top 5 avant la VRL, et qui sont confrontées à des équipes françaises un petit peu plus rookies, qui les ont déstabilisés avec des façons de jouer, etc. Autant de mots pour dire Vitality. J'ai essayé de noyer le poisson, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Des phrases interminables pour dire Vitality, qui était pas loin d'aller dans les challengers et VCT, qui se font surprendre par des outsiders en VRL. Du coup, genre, est-ce qu'on n'a pas peur que le schéma se répète aussi ici aussi? Après, c'est sûr que, en fait,
on pourrait en fait se questionner sur pourquoi est-ce que Matt Dyens fait ce choix. Ils auraient pu rester en Ligue Polaris, ils auraient pu trouver un socle d'une autre nationalité pour aller ailleurs encore une fois. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la réponse de pourquoi ce changement de ligue. Peut-être la hype, en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'on est tous d'accord, je pense, pour dire que le Split 2 risque de rendre notre ligue la plus regardée probablement en EMEA, ça ne fait aucun doute. Et du coup... À part ce questionnement, c'est vrai qu'au final, c'est juste un choix qui est fait. Et maintenant, je pense que le niveau va être tellement relevé. On est en train de vous faire la présentation des équipes l'une après l'autre. Et vous vous rendez compte que des potentiels top 6, donc play-off, il y en a énormément. C'est vrai. Donc ouais, il va falloir rentrer dans la mêlée. C'est clair que sur le papier, je pense qu'on peut dire que Mad Lions, c'est une des équipes les plus fortes. Clairement. Parce qu'il y a, voilà, tout est de leur côté, encore une fois. Mais il va falloir passer l'épreuve du feu, les 18 B1 de la Ligue et les play-offs, quoi. Et c'est le format aussi qui va beaucoup jouer dans ces différentes confrontations. On y reviendra après coup. Même en sujet de clôture, Willou. Bah, c'est un format sur lequel les Vitality n'étaient pas forcément très bons. C'est BO1, du coup c'était des BO2, mais pour moi je vois ça comme deux BO1 d'affilée. Les Vitality se faisaient quand même suffisamment surprendre, alors qu'on a vu que sur des BO3 ils étaient quand même meilleurs. Oui. Là, est-ce qu'on peut parler de transitivité alors que finalement quasiment tout le roster Vitality est parti? Je pense pas. Non, clairement pas. C'est une nouvelle équipe. Apprendre comme une nouvelle équipe, il y aura probablement pas les mêmes travers que l'ancienne. Moi, ce qui me fait un petit peu peur avec ce nouveau roster Vitality, j'ai l'impression qu'ils héritent un peu d'un fardeau des échecs des précédents rosters et juste de l'équipe en général depuis un an qui n'a pas suffisamment performé au regard de la fanbase, mais au regard de la communauté en général. Oui, et même pour les joueurs eux-mêmes, dans une aussi grande structure, on est un petit peu déçus de sous-performer comme ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, les nouveaux joueurs, tu vois, j'ai peur qu'ils arrivent dans la structure avec déjà ce fardeau de dire « là, il faut qu'on perf. Là, il faut qu'on perf. Ça fait un an que les gens attendent des perfs de Vitality Valorant et qu'ils ne les ont pas. » Donc tu vois qu'ils arrivent et qu'ils doivent déjà prouver quelque chose. Est-ce que c'était pas le problème de base de l'ancien roster aussi, qu'on s'est du coup recomposé dans différentes équipes, différentes écuries françaises? J'avoue que c'est la question se pose aussi. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils arrivent aussi avec une sorte de, pas de méconnaissance, mais ils n'ont pas forcément suivi le split 1, ils sont un peu ils prennent beaucoup de recul par rapport à ça, et ils ont Badidji dans leur équipe qui est un petit peu habitué aussi à des moments de baroudage, on l'a bien vu avec FPX notamment, tu vois. Donc pour moi, je pense qu'ils vont arriver plus décontractés qu'on le pense, et que le fardeau du tag Vitality, je pense qu'ils le porteront moins sur leur dos que Nathan, par exemple, ou que n'importe quel joueur français qui arriverait dans l'écurie. On va revenir sur les transitions qui ont été opérées par Vitality pour ce split 2. Alors. Donc voilà, on perd Shadow, on perd Brahms, on perd Kadabra, on perd Vac. On aurait pu tout simplement faire une asset en disant juste qu'on a conservé Sender. C'est vrai. Voilà, et on gagne du coup... Eh bien, on gagne des sacrés joueurs quand des même, mine joueurs, de rien, il faut le dire. Mais on est cherché donc Iber qui a joué chez Finest et qui a fait un petit passage très rapide chez Fnatic lors des Masters. Donc on parle d'une expérience LAN internationale, mine de rien. On a Nathan qui est en quelque sorte, c'est triste de le résumer à ça, mais c'est le quota français, mine de rien, de cette équipe. Il avait eu quelques références tout de même. Badidji qui est joueur polonais, qui a joué chez FPX. Souvenez-vous, les champions de la League Challengers EMEA, il les dépannait et en les dépannant, il les a portés jusqu'à la grande finale et la victoire. Même donc joueur d'un gros calibre, et Bonecold qu'on ne présente plus, champion du monde 2021 de Valorant avec Ascend. Donc ouais, quand même, faut le dire, mais c'est une line-up qui quasiment sur le papier aurait pu se retrouver en League Challenger, ça n'aurait choqué absolument personne. Mais ça ne alors c'est pas un passe-droit, ça ne va pas leur offrir un statut particulier, je pense, dans la ligue, puisqu'en effet il ne suffit pas de ramener des grands noms et des joueurs qui ont une grosse expérience pour avoir une équipe qui fonctionne. Et ça va être ça le gros challenge de Vitality dans le Split 2, faire fonctionner cette équipe, trouver une synergie et prouver qu'ils ont le niveau pour aller au-dessus, quoi. Moi, je trouve que Nathan, qu'il en a quand même qu'il a carrément tanké certaines remarques assez péjoratives, étant donné qu'on le voit, en fait, il va être rejoint par trois joueurs de très gros calibre, ouais, qui ont fait leur preuve à très haut niveau. Hein, Bonecold, quand même, champion du monde, je pense qu'on peut le dire, champion du monde de Valorant avec Ascend sur les derniers Champions. Badidji, qui s'impose dans les Challengers avec FPX en tant que sub, en plus, donc ouais, c'est pas rien. Iber, qui, de son côté, a quand même fait son office. Moi, je trouve qu'on a... Moi, ce que j'aimerais...
ce que j'attendrais, en tout cas ce que j'aimerais voir du côté des Vitality, c'est voir un Atank qui n'en a rien à faire de toutes ces remarques-là, qui joue son jeu, qui s'intègre dans l'équipe, parce que j'ai l'impression, tu vois, que c'est quand même aussi une pression sur les épaules d'un joueur de dire, ah, donc là, on a 4 top players et un Français qui est là pour le quota. Je pense qu'il est plus que ça. On l'avait vu quand même, moi, j'avais eu l'occasion de voir ce qu'il avait pu faire sur des phases d'OTF au niveau français, et franchement, c'était pas déconnant. Donc moi, j'aimerais vraiment bien qu'il reste pas trop bloqué sur ce genre de remarques là et qu'il fasse son taf, et je pense qu'il a le niveau pour être dans cette équipe, et j'aimerais bien qu'il le prouve. Ouais. Voilà. Alors, c'est juste que ça fonctionne, quoi. On va juste voir le roster au complet, évidemment. Petit point fort, point faible, peut-être. Petit point fort, point faible, ouais. Allons-y. L'expérience énorme, l'expérience internationale, du très haut niveau en EMEA, voire même international pour Bonecold et pour Iber. Un sender qui a toujours été le gars sûr quand même chez Vita. C'est clair, avec toujours Vax, régulier, solide avec Vax. C'est vrai que c'était un peu le tandem qui fonctionnait bien au sein de l'équipe, on peut le dire. Donc il y a quand même ces forces-là qui sont notables. Et en attendant, qu'en effet, qu'il a plus rien à perdre en quelque sorte. C'est vrai que lui, il est jeté un peu dans le grand bain, et c'est à lui de réussir à dépasser cette pression peut-être pour assumer sa place dans ce roster. Donc c'est très particulier au final ce qu'il y a à retenir comme point fort pour Vita. C'est une grosse expérience, quoi. Après, moi, si je voulais revenir sur une chose par rapport au Vitality, c'est qui va prendre le lead. J'imagine que ce sera Bonecold, comme c'était le cas chez Ascend. Et on doit quand même prendre le taureau par les cornes et dire qu'Ascend, en termes de stratégie, ça ne nous a pas régalé. Non plus, malgré le fait qu'ils étaient champions des Champions, vrai. Et qu'ils aient fait top 1 monde et qu'ils aient battu tout le monde, même Gambit, qu'on adore bien sûr. Et qui ont un jeu très structuré. Et qui ont un jeu bien sûr bien plus structuré. Moi, j'ai quand même peur que ça parte un petit peu dans tous les sens du côté de ces Vitality, et j'espère qu'on va réussir à se structurer et que les travers d'Ascend vont pas se retrouver chez les Vita. Je sais pas si on me rejoint là-dessus, mais le lead de Bonecold, j'ai l'impression que c'est quand même chacun fait un peu ce qu'il veut, tu vois. Après, c'est vrai que c'est un peu la mode aussi de cette ultra-communication sur Valorant aussi, où il y a un IGL mais qui distribue la parole plus qu'autre chose. C'est bien aussi. C'est pas mal. Je sais pas. Je t'avoue que l'expérience professionnelle, je l'attends. J'en suis encore là. Après, ce qu'on peut dire, c'est que chez Ascend, Bonecold, il avait quand même une grosse puissance de feu, et il a une grosse puissance de feu là aussi. Iber a quand même la réputation d'être un dueliste de très très haut niveau. Avec Badigi, on a aussi un joueur qui est à la fois capable de coller l'idée de c'est l'idée ça. Et d'avoir un gros niveau individuel. Je me souviens encore de son Phoenix, c'était il y a longtemps, mais il était vraiment très très chaud. Il a joué Smoker avec FPX tout le long, ça s'est très très bien passé aussi. Sender, on vous l'a présenté aussi, mais c'est le gars sûr, la puissance de feu potentielle. Natank, le potentiel est là aussi. Donc si le skill suit, le style de lead de Bonecold pourrait largement fonctionner, quoi. Alors, on a oublié de le mentionner. C'est pas la bête de phrase. On a oublié de le mentionner pour les autres équipes, mais on se regarde désabusé. Genre, bref. Dans l'idée, c'est que... Oui, c'est en effet Bonecold qui a la charge de l'IGL et du Capitana. On aurait pu faire un point sur les autres équipes, mais bon, bref. Passons, on le fera pour la prochaine équipe. VMS, justement, l'équipe qui n'aura toujours pas signé pas été signée par une structure ici. Ouais. Malheureusement, ils sont représentés par eux-mêmes dans ce deuxième split, avec Killu qui va embrasser d'autres responsabilités. Bah oui, il y a eu des changements du coup chez VMS. Je pense qu'on va pouvoir les montrer à l'écran. On a écarté plusieurs joueurs, V-Boy, NRK et Lohan, qui étaient là depuis très longtemps. Il faut comprendre que le noyau dur VMS, qui était très anciennement MTP, qui sont restés ensemble pendant quand même assez longtemps, V-Boy, NRK, Lohan et Killu, qui se séparent de trois de ces joueurs un petit peu anthologiques ou en tout cas historiques, pour rester avec Jillian, qu'il avait pris au début du split 1, qui avait fait quand même un joli travail de support pour amener trois nouvelles recrues, des recrues qui ne sont pas inexpérimentées sur le jeu. Je pense notamment à Lynn qui sort directement de chez OG et Dika qui sort de chez Desire. Juste petite surprise, c'est Nate qui rejoint la compétition Valorant. On le connaît bien sûr pour ses exploits sur le jeu de Cracked, aka Fortnite. Il arrive sur un jeu où on a peut-être besoin de courir un petit peu moins pour tirer, quoique.
Je pense que moi j'attends vraiment de voir ce que ça donne sur Valorant Snake. Ce qu'il incarne en plus, et tu me dis si je me trompe ou si tu partages le même avis, Renaud, c'est qu'on a parlé pas mal de fois, et surtout sur la scène américaine, par exemple avec Nitro notamment, etc., du côté un peu mercenariat des joueurs qui vont d'une scène à l'autre. On pense à CS, on pense à Valo, etc. On va chercher le biz là où il est, tu vois. Et pour le coup, Nate quitte du coup une grosse structure aussi, une structure tout court, pour aller vers VMS, où il n'y a pas de structure. On sent le choix de la passion aussi un peu. Je crois que ça fait un moment qu'il est un peu en stand-by quand même. Faut pas croire qu'il a commencé à jouer à Valo la semaine dernière non plus. Clairement, hein, le frérot Nate, ça fait quand même un long moment qu'il graine le jeu. Et si on lui fait confiance chez VMS, c'est pas pour rien. Il faut vraiment comprendre qu'avec ces changements, VMS veut aussi augmenter ses ambitions en quelque sorte. Ils sont débarqués dans le split 1 par la qualif open, donc forcément en restant un peu tel quel. Et ils se sont quand même assez vite heurtés à un mur, le mur de la professionnalisation. Aucune structure qui ne leur fait confiance. Et du coup, ce contraste avec le reste de la ligue. Donc là, en changeant de joueurs, en allant chercher des profils plus expérimentés, ouais, qui ont aussi une expérience de haut niveau, parce que Nate, mine de rien, il sait ce que c'est qu'être joueur professionnel, il sait ce que c'est que d'avoir une rigueur de haut niveau, et ça reste à noter. On est clairement avec des ambitions à la hausse chez VMS pour améliorer les résultats qui étaient déjà pas si mauvais que ça. Quoi, ouais, puis à noter, on reste quand même sur du 5 français, donc il y a quand même cette synergie. On va voir le roster, d'ailleurs. Et j'ai l'impression qu'avec, tu vois, ces ajouts de 3 joueurs, on aura peut-être l'occasion de se partager un petit peu plus le leading game, puisque c'est Kulu qui portait globalement cette charge avec son rôle de dueliste. C'était compliqué, et là j'ai l'impression que les rôles vont vraiment changer, puisqu'on va peut-être revoir Lynn sur un dueliste, Kulu qui passera peut-être sur Chamber, ce qu'on avait pu voir vers le milieu et la fin de la ligue. Donc les VMS qui sont la seule équipe qui n'est pas signée et pas, donc, qui n'a pas de salaire sur cette VRL, et il faut quand même comprendre que jouer tous les jours au moins un BO1, ça implique d'être full time, en fait, ça implique de pouvoir prac quasiment tout le temps, et donc c'est peut-être un rythme aussi difficile à suivre du côté des joueurs. Donc moi je veux pas leur trouver d'excuses entre guillemets si jamais ça sous-perfera, mais ce qu'il faut dire, et je pense pas qu'ils vont sous-perf, mais faut quand même dire les choses, quoi. Faut dire qu'il y a un encadrement que eux n'ont pas forcément. C'est ça, et lui, ils ont un frigo à remplir, ils ont peut-être des occupations, une certaine pression, etc., qui peut être là, parce qu'il n'y a pas cette professionnalisation qui leur permet de se consacrer au jeu véritablement à 100%. Je pense que c'est tous des joueurs de toute façon qui clairement se sont libérés et sont prêts à tout donner pour être performants dans cette ligue et dans cette équipe VMS. Mais c'est clair que le fait de ne pas avoir de soutien derrière, de ne représenter personne et de ne pas toucher de salaire, c'est forcément des bâtons dans les roues en quelque sorte pour être vraiment performant et n'avoir que à se concentrer sur ce qui se passe sur le serveur en fin de compte. On hérite de Lynn aussi, du coup. Qu'est-ce qu'on pense de ce transfert-là, du coup? Alors, Lynn, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que sur le split 1, pour moi, il y a vraiment eu un on et un off. Il y a eu un début de saison, franchement, très réussi avec OG, où on en a parlé avec OG, mais c'était vraiment un tandem qui fonctionnait bien. Les initiateurs qui mettaient à l'aise Lynn pour qu'il fasse les ouvertures, pour qu'il trouve les espaces, etc. Et malheureusement, sa performance individuelle s'est un peu effondrée en deuxième partie de split. Il est devenu plus discret. Et c'est peut-être, on n'en sait rien, mais c'est peut-être ce qui explique, entre autres, les changements qui ont pu être opérés chez OG. Ce qui n'empêche pas que ça reste un profil très intéressant. S'il avait été recruté chez OG à l'origine, c'est pas pour rien. C'est qu'il y avait toujours ce potentiel, et ce potentiel est inchangé à mes yeux. Et maintenant, juste curieux de voir si le fait d'avoir goûté un peu à la professionnalisation chez OG va justement pas lui donner encore plus les crocs d'y retourner quelque part avec... en quelque sorte avec VMS. Moi, ce qui me fait un petit peu peur quand même chez VMS, c'est qu'il y a des, j'ai l'impression qu'il y a des profils assez similaires quand même. Oui. Au niveau des rôles. De Kulu et Lynn. Du coup, j'ai l'impression que ça risque peut-être de se chevaucher un petit peu, parce que certes, Kulu est capable de jouer Chamber parce qu'il est excellent au sniper, et donc il peut jouer avec Chamber. Mais c'est quand même un perso qui permet moins d'explosivité que celle de le Jet. Il y a pas les kunai. On a vu des clips monstrueux rentrés par Kulu avec ces kunai là. Lynn est excellent sur le perso aussi, mais j'ai pas envie que ça crée des tensions, vous voyez, dans l'équipe, de dire s'il y a un joueur qui sous-perf sur le perso, que ça engendre de la frustration pour l'autre qui dit mais moi aussi je peux le jouer, j'aime le jouer. On peut quand même imaginer que c'était déjà le cas sur le premier split pour VMS, mais on a quand même des changements de rôle d'une map à l'autre, et c'est très probablement ce qui va être opéré ici sur le split 2. Il me semble que c'est quand même plus Kulu qui est prêt à, alors non pas se sacrifier, mais à jouer d'autres rôles, à être plus flex pour laisser Lynn peut-être briller en tant que dueliste. Donc en soi, je pense qu'ils réfléchissent un peu à la chose, mais c'est clair qu'on peut avoir des petits couacs à certains moments sur ces histoires de rôle, même si au final, tu vois, c'est,
c'est un problème qu'il y a chez d'autres équipes. Typiquement, Mandatory, on en parlait un peu plus tôt, mais avec Oppy et Akuma, c'est deux gars qui ont quasiment le même profil, qui ont joué les mêmes rôles. Et là, on s'est dit, ça pourrait le faire. Et au contraire, ça leur donne même une certaine flexibilité au niveau map pool, d'un adversaire à l'autre, ou ce genre de choses. Donc, je sais pas, pour moi, c'est pas tellement un problème, tu vois. Je pense que c'est réfléchi et que. En tout cas, on va essayer de faire fonctionner ça, quoi. Je l'espère. Force et faiblesse, c'est globalement, en quelques mots. Faiblesse, je dirais l'expérience des joueurs de VMS, dans le sens où j'ai l'impression que quand on est mené, on a quand même beaucoup de mal à trouver la porte de sortie. Et d'un autre côté, ils sont aussi très surprenants, ils sont aussi explosifs. Ça veut dire que dans des moments où on les attend pas du tout, typiquement contre Vitality, ils nous sortent des duels 1v1 qui sont tous remportés, des retake tous ensemble qui sont juste incroyables. On en avait parlé sur le split 1 et je pense qu'on peut le rementionner. Jouer contre Vitality, j'ai l'impression que ça a poussé les équipes de la VRL à donner leur meilleur niveau. Ouais. Donc on avait pu voir le prime de VMS qui pour moi avait été sur le match contre Vitality ou contre... contre OG il me semble, ouais, je crois qu'ils avaient gagné 2-0 contre OG aussi VMS, donc tu vois ils sont capables du meilleur comme du pire. Et là, même si on dit ça de toutes les équipes, je pense que c'est vraiment le cas pour les VMS qui sont vraiment coin flip d'un jour à l'autre. Ouais. Et peut-être que ça s'explique par le fait qu'ils ne soient pas professionnalisés à ce point, même s'ils sont accompagnés depuis récemment par un coach Jazz. On sent quand même qu'il y a un peu de mal à se sortir la tête de l'eau quand on est en train de couler. Pour moi, alors, sinon, leur point fort pour finir, ça reste Outsider, hein, tout comme Big Genius. Au final, ils retrouvent cette étiquette Outsider de la Ligue, de par leur absence de structure, de par leurs résultats sur le premier split. Et pour moi, c'est encore une fois un statut qui doit être confortable, qui doit être assumé par les équipes pour essayer de surprendre, essayer de ne pas jouer au niveau auquel on les attend et pour prendre à contre-pied peut-être les adversaires. On passe maintenant sur une équipe full française, une seconde, BDS. BDS qui revêt une forme presque opportuniste dans l'idée et dans la forme. Du coup, rejoint par Brahms et par Kadavra. On va avoir la set qui vous les présente, et on enlève ces joueurs internationaux de roster francophone à roster international et retransitionner vers un format français. Qu'est-ce qu'on en pense, Renaud ? On se cherche, en fait. C'est vrai qu'on se cherche. On avait... assez loué cette équipe BDS. On rappelle qu'ils font second du split et franchement, aussi bien physique que Mike BY, il y avait tous les deux été très convaincants dans leur rôle. Je me souviens des interviews qu'on avait eues avec Wallax qui nous expliquait que il y avait quand même eu quelques couacs de par la communication en anglais, mais tout ça ne pouvait que s'améliorer. Et au final, c'est l'opportunité aussi qui se crée avec cette explosion des Vitality en quelque sorte. Et récupérer Brahms et Kadavra, c'est quasiment reformer, le noyau de ce qui était opportuniste au début du jeu. La première itération de ce qui aurait dû être chez BDS à l'époque, c'est des joueurs qui ont envie de jouer ensemble depuis très longtemps et qui peuvent enfin le faire ici chez BDS. Donc c'est vrai qu'au final, je pense qu'on se cherche véritablement au niveau de la communication, en tout cas, c'est assez clair. Ouais, on avait vu du coup un passage à l'international qui il me semble que BDS était quasiment les seuls à l'avoir fait, non, sur le split sur le split 1 en dehors de Vitality, bien sûr, mais Vitality l'avait déjà de base. Alors que BDS était full FR à l'époque encore avec Takas et Akuma qui avaient été bench ensuite. Donc on se cherche, tu l'as dit, et je pense que justement c'est finalement l'effet inverse qui se produit. On a des équipes qui ne trouvent plus de solution en full FR et qui décident de passer à l'international, et des BDS qui pourtant n'ont pas fait une mauvaise perf avec leur roster international, mais qui se disent qu'ils peuvent faire encore mieux avec un roster full FR, avec une synergie peut-être qui va se recréer. Donc moi, je suis très très hype de cette équipe qui, pour moi, va présenter peut-être un des meilleurs niveaux de la ligue, au même niveau peut-être un petit peu en dessous à voir de Mad Lions. Je dis ça parce qu'ils jouent depuis moins longtemps ensemble. Brahms, Kada avec Roden, Logan et Juseu, alors que les Mad Lions ont quand même un roster assez stable. Ouais. Je pense que ça va être une des meilleures équipes de la ligue, clairement. Je pense aussi qu'on peut compter sur un effet lune de miel pour BDS, qui va clairement du coup retrouver. Je pense qu'il y avait une intention des joueurs depuis longtemps de pouvoir se retrouver, jouer ensemble, etc. Là, on perd un peu ce club européen et peut-être un peu moins familial que Vitality pour retomber dans quelque chose qui semble en tout cas plus convenir à ces deux joueurs qui arrive. La place évidemment du Capitana est encore à la charge de Roden. Et Brahms, du coup, est-ce qu'il va revêtir l'IGL une nouvelle fois? Ça m'étonnerait parce que franchement, quand il était chez Vitality, le lead in game, ça a toujours été, j'ai l'impression, une
Une charge en ouais, plus. Une charge, c'est ça. Ouais. Une charge, c'est il le fait parce que personne d'autre ne peut le faire ou ne peut l'assumer. Je me souviens qu'on avait quasiment tout tenté au sein de Vitality et dans les différentes itérations de la première équipe. Donc, à mon avis, avec Rodon qui lui fait ce job pour BDS depuis un long moment, ça n'a pas l'air de le déranger. Je pense que c'est presque un soulagement pour Brahms de redevenir un bon soldat, de redevenir un bon co-capitaine aussi en quelque sorte, co-leader, c'est plus que probable. Et du coup, ouais, cette équipe BDS qui va devoir essayer de faire mieux que la premier split. Et c'est là où il y a quand même une chose à noter, c'est que BDS était de mémoire à deux runes sur Breeze dans le BO5 contre Sector 1 de finir champion de la Ligue. Ils étaient vraiment passés à un cheveu, ils avaient une saison plus qui réussie. Et donc là, mine de rien, il va falloir faire mieux. Donc on peut dire que l'ambition, c'est le top 1. Ouais, excuse-moi, je regardais évidemment le chat qui n'a pas compris ma phrase. J'ai bien dit de fait que Vitality n'était pas d'un format familial, contrairement à la forme que nous présente BDS en termes de roster. Donc inutile évidemment de venir me stranguler avec quelques lignes de texte. Ce n'est pas le lieu ni l'endroit. Pour ce qui est du reste du coup, j'avoue que c'est vrai qu'on avait vu pas mal de changements pour du côté de Brahms qui même s'était permis de sortir un Sova sur Ascent, etc. Donc j'avoue que j'aimerais bien retrouver ce Brahms qu'on connaissait idéalement, qui était l'un des piliers chez Vitality, notamment en termes de skill. Pour parler des bons côtés et des mauvais côtés de cette équipe de BDS. Mettez-le sur les smokes, je vous en supplie. Remettez-le sur les smokes. Quoi. Les mecs, j'ai un truc à vous demander, c'est mon anniversaire dans pas longtemps. Brahms sur les smokes. Brahms sur les smokes. On veut plus du bridge. Brahms sur les smokes. Et je sais pas s'il m'entend. Et de toute façon, même s'il joue bridge, il va être fort dessus. Mais le clutcher, Brahms en fin de round, avec sa Astra, avec sa Viper, avec un Omen ou un Brim, s'il veut. Évidemment. Ouais, le Brim, Brahms, c'est quelque chose. Ouais. Moi, si j'ai une chose à demander, c'est ça. Franchement. Ouais. Okay. C'est vrai qu'en support, c'était loin d'être crève-cœur, parce que c'était loin d'être mauvais du tout. Mais on avait l'impression qu'on perdait quand même quelque chose du côté du joueur français. Très bien, on a fait le tour du coup de cet avant-dernier roster. On va pouvoir passer, mesdames et messieurs, à une petite vidéo pour annoncer la dernière équipe dont on va parler. On est ravis de les accueillir pour ce split 2. Bien évidemment, la partie K-Corp peut commencer. Amilwa, Takas, Mikey, Newzera, un staff aussi purement français. Mesdames et messieurs, on a enfin annoncé la grosse pépite de cette partie du split 2. On va revenir évidemment sur ce que ça implique d'avoir fait preuve d'autant d'efficacité pour composer ce roster. Lou, tu veux commencer ? Ils ont pris 5 monstres. Ils ont pris 5 monstres. Ils Bien, ont pris... la meilleure sentinelle de la ligue, Mikey. Et je pense que là, j'adore vraiment tous les autres joueurs de la ligue. C'est clair, et big up à toutes les sentinelles. Mais là, Mikey, c'est quand même quelque chose, il faut le dire. Ils ont pris Amilwa, qui a fait ses preuves chez Mouse, qui en leading game peut vraiment être très chaud. Newzera, l'un des meilleurs breach de la ligue également, je pense qu'on peut le dire. Shin, est-ce qu'on doit encore le présenter ou pas? C'est le hard carry, le giga clutcher qui a remporté d'ailleurs la Ligue française chez Sector 1 sur les smokes, et Takas qui était sur le banc, en train d'astiquer le banc chez BDS et qui là directement se retrouve en rôle de la star de la Ligue française puisqu'il sera le duelliste de la K-Corp. Personnellement, moi je n'attends que ça. C'est vrai que c'est une équipe qui semble équilibrée au niveau de la puissance de feu, il n'y a pas un en dessous de l'autre, au niveau des rôles, tout a l'air de s'agencer en fait correctement, tout le monde va trouver sa place sans trop de problèmes. On a le lead d'Amilwa qui va être présent mais qui peut être aidé par à peu près n'importe qui dans cette composition. Donc c'est vrai que on a une cohérence en fait qui est directement là sur ces 5 joueurs. Alors, c'est toujours une cohérence qui est un peu théorique parce que moi alors je vais faire l'avocat du diable, je sais pas si je vais faire ça, mais c'est vrai qu'au final c'est une toute nouvelle équipe aussi, il ne faut pas l'oublier. Ces joueurs n'ont jamais joué ensemble avant K-Corp, sauf pour Newzera et Shin qui ont fait un peu de méga-stitue ensemble, etc. Donc maintenant, sur le papier, tout est impeccable, tout est magnifique, c'est vrai, et c'est sur le serveur, c'est en live, mine de rien, qu'il va falloir maintenant prouver ce potentiel et montrer le niveau qu'ils peuvent atteindre.
Après, on peut aussi parler du staff, du coup, bien évidemment. On va pas les laisser dans le coin, surtout notre ami Zeich, qui spamme dans le chat depuis tout à l'heure. Donc, on retrouvera Zeich en assistant coach et PM en head coach. On va pas vous dire où est-ce qu'ils ont été pris. Bien sûr qu'on va vous le dire, ils ont été volés, arrachés chez les Vitality, le head staff, du coup, qui va accompagner ces cinq joueurs. Franchement, PM et Zeich, ça avait l'air d'être un duo qui fonctionnait bien, clairement, en réalité, au niveau du coaching de chez Vitality, malgré les perfs un petit peu en dessous. Mais encore une fois, hein, ça dépend des joueurs sur le serveur. Le coach et son assistant et son analyste peuvent faire ce qu'ils veulent. À un moment donné, c'est les joueurs sur le serveur qui font la diff. Et là, je pense que nos cinq petites pépites de la K-Corp sont très bien accompagnées. C'est marrant parce qu'on parle souvent de petites pépites. On a tendance à leur affilier un petit rôle, une étiquette un peu rookie. Alors qu'au final, dans le tas, il y a vraiment des joueurs confirmés. Il y a un champion de France. C'est vrai, oui, que en fait, on n'y pense pas et on reste sur l'idée que le Valo TF l'année dernière a couronné un champion de France, mais ben, le split 1 lui aussi. Oui. C'est des joueurs quand même d'expérience qui ont individuellement fait complètement leur preuve, Renaud. C'est ça, il n'y a pas un qui a raté son début de saison en fait. Hein. Même Amilois, qui peut peut-être être un peu méconnu de nos spectateurs, avec Mousesports, ils font une saison régulière sur la Ligue allemande qui est impeccable. Il n'y a qu'une fois en play-off que malheureusement ils se ratent un peu, mais globalement ils ont tous leurs références. C'est vrai qu'en final, quand on fait le bilan, on est cherché Shin, qui était peut-être le deuxième profil le plus intéressant chez Sector One derrière Ghoster. On est cherché Newzera du coup et Mikey, qui étaient les deux profils les plus intéressants de Wild. Amilois du coup, qui était un profil intéressant parce qu'il lead mine de rien aussi chez Mouse, et du coup bah tout ça crée un profil, enfin une équipe extrêmement puissante, extrêmement équilibrée. Takas évidemment, que je veux pas oublier, mais qui fait comme pour Akuma tout à l'heure, hein, on a dit bah ouais, il a ciré le banc, il était en attente, il a malheureusement été absent du début de split, mais c'était plus, enfin il pouvait pas grand chose en fait. Je pense qu'il aurait mouru, enfin d'envie de pouvoir participer sur le premier split. Là il tient sa chance, il doit être mort de faim, il doit avoir tellement envie de se montrer et de casser la tête à tout le monde, que voilà, c'est ce qui crée, on va dire, vraiment l'engouement autour de cette équipe, au-delà de la structure évidemment. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment encore une fois une cohérence au final dans cette line-up. Ouais, avec Amilois du coup, il faut mentionner que c'est un roster. On va dire que c'est un roster de 5 FR, pas vraiment, parce qu'Amilois est algérien. Donc là, en plus, c'est carton plein pour la casser. L'image du club, même moi de mon côté, moitié algérienne, moitié française, j'apprécie beaucoup. Je vais être biaisée, je vous le dis. Je vais essayer d'être aussi objectif que possible. Mais quand Amilois va sortir des clutches, il y a un monde où il y a un Tahia Jazayir qui sort de ma bouche. Vous serez pas trop surpris. Le pari d'Amilois, c'est qu'il ne parle pas français dans son call. On a essayé du côté en scrim de tenter des calls en français, okay, pour Amilois, qui a finalement décidé de call en anglais. Donc les calls seront faits en anglais dans ce roster, et c'est quelque chose qui a l'air de beaucoup plaire aux joueurs, qui plaît aussi au head staff. Ça a l'air de fonctionner, donc voilà, ça, c'est quand même à noter. C'est vrai que moi je m'étais un peu questionné, parce que sur les vidéos d'annonce, Amilois était le seul qui répondait aux questions en anglais en quelque sorte, et du coup alors, j'ai quand même eu la confirmation aussi qu'il parle français, etc., mais il n'est peut-être pas suffisamment à l'aise pour être précis. Et c'est là où on en revient sur le débat de la communication. C'est vrai que dans Valorant, la précision de l'information, la précision des échanges au sein d'une équipe, c'est extrêmement important. Et du coup, ça reste à noter que voilà, les calls seront du coup en anglais, de ce que tu me dis. C'est ça. Okay. Ouais, et puis en plus, on s'abstrait plutôt de tout le côté aussi où en français, on va devoir peut-être parler plus, etc. L'anglais, ça va plus vite. Je pense qu'on peut complètement du coup capitaliser dessus. Autre chose à dire peut-être sur les points positifs, négatifs, les forces et les faiblesses de la K-Corp? Moi, je dirais quand même la pression. Enfin, mine de rien, il y a quand même une hype de fou furieux, et je pense qu'on a quand même peur de décevoir. Et je pense que les supporters peuvent aussi comprendre ça. Mais on doit comprendre qu'il y a quand même un mur bleu à porter en permanence tous les matchs. Et je me dis, mine de rien, il y a peut-être un jour où un des joueurs va être un petit peu plus shaky parce qu'il sait l'enjeu, qu'il sait qu'il est regardé, et parce qu'il a envie de plaire aussi. On a envie, avec cette structure, tu l'as dit, on parlait de famille. Je pense que là, la K-Corp est l'exemple parfait. On n'a pas envie de décevoir, parce qu'il y a un rapport avec la communauté qui est vraiment spécial par rapport à d'autres équipes. Clairement. Donc je pense qu'il y aura quand même une pression avec laquelle les joueurs de K-Corp vont devoir jouer. Et j'ai peur que parfois ça puisse être difficile. Et moi, il y a quand même un truc que je veux noter là-dessus, c'est que lors du split 1, l'équipe à abattre, c'était Vitality. Tout le monde voulait se les faire. Et là, je trouve qu'avec la hype qu'il y a derrière K-Corp, avec tous les regards qui sont tournés vers eux, j'ai peur que ça soit aussi cette pression-là qui s'ajoute. C'est que tout le monde va avoir envie
d'accrocher K-Corp, que tout le monde va avoir envie de montrer son meilleur visage contre cette équipe spécifiquement. C'est pas les seuls dans la ligue, c'est vrai qu'on s'est tellement renforcé, il y a tellement de grosses équipes désormais qu'il y a plusieurs équipes comme ça qui ressortent un peu du lot, mais c'est clair que K-Corp a une aura spéciale qui forcément fait que les adversaires vont avoir envie d'en découdre, hein, très, très probablement. Bon, on a fait le tour de toutes les équipes, en terminant évidemment par la cerise sur le gâteau. On va peut-être revenir maintenant sur les différentes, options qui ont été configurées pour ce format de Split 2, qui est différent du format de Split 1, évidemment. On abandonne les BO2 en faveur d'un BO1 et d'un format Open Domain avec 6 équipes en tête. On va pouvoir les découvrir d'ailleurs. Donc vous avez évidemment le retour de tous les logos et de toutes les équipes à gauche et la configuration à droite. Exactement, donc 10 équipes au total, tout le monde va s'affronter en match aller et en match retour en BO1, ce qui fait du coup 18 BO1 pour chacune des équipes, un total de 90 matchs, 18 play days, vous le voyez, des super weeks aussi qui ne sont pas forcément notifiés, qu'on verra peut-être un peu plus tard, mais en gros on va jouer tous les lundis, mardis et sur 2 semaines, on sera aussi sur le mercredi et le jeudi soir bien sûr, full BO1, alors ça j'ai vu pas mal de débats là-dessus, je pense qu'on peut revenir aussi peut-être là-dessus, c'est les gens regrettent l'absence de BO3, sauf que... Parce que le BO1, bon, ça a une réputation de piège, et c'est vrai, ça peut arriver. Mais Lou, est-ce que quand tu te fais piéger sur 18 BO1, est-ce qu'on peut vraiment parler de piège ? À un moment donné, pour moi, BO1, BO3, à un moment donné, il faut jouer, quoi. Faut jouer, on ne peut pas dire « Oui, mais c'est des BO1, donc on se fait battre. » À un moment donné, il faut bien choisir un format. Quand tu as 10 équipes dans la Ligue, tu ne peux pas les faire toutes s'affronter en BO3. C'est techniquement impossible, c'est épuisant pour les joueurs, et on finit la ligue dans 6 mois et ça n'intéressera plus personne. Donc non, pour moi le côté BO1, ça permet aussi d'avoir de la diversité, ça permet que chaque supporter voit son équipe jouer tous les soirs, les autres, qu'il ait au moins un match à regarder dans la soirée. Moi je trouve ça sympa, même en termes de diversité pour les maps aussi, puisqu'on verra probablement pas toujours les mêmes maps en BO1. Moi c'est ce qui me fait peur, c'est que tu vois, c'est match aller et retour mais pas le même jour, tu vois. Le format BO2 qu'on a fait sur le premier sprint, il avait plein de défauts. Franchement, c'est clair, mais il y avait quand même cet avantage de ne pas avoir la même map sur le premier et le deuxième match qui étaient pourtant 2 BO1. Là, tu es en train de dire que 10 équipes différentes vont jouer 5 fois d'affilée les mêmes maps sur une soirée. Ce que je veux dire, c'est que quand elles vont se jouer en match aller et en match retour, on risque d'avoir la même map sur le match aller et le match retour à plusieurs semaines d'écart, tu vois. Mais il est probable que les vétos emmènent les équipes sur le même terrain de jeu, ce que je trouve un peu regrettable. Ça peut peut-être évoluer, tu vois, de semaine en semaine. Si on se fait foudroyer sur une map, on commence à la ban alors que de base elle était dans notre map pool. Donc moi je pense que ça peut évoluer. Quand on se fera une soirée full Icebox, je pense qu'on redit. Ouais, on verra la chose. Il y avait évidemment Taniz, coach de chez Vitality, qui nous dit que c'est nul les BO1. Bon, on le comprend évidemment, quand on est chez Vitality, on a envie de se taper en BO3, BO5. Hein, ouais. Non, ça sera pas ici, désolé, ça favorise l'upset et on est très content. Bon, on va. T'as l'air ravi. Absolument ravi. Bon, on va pouvoir passer du coup sur la set suivante aussi, revenir là-dessus, pour pouvoir même peut-être vous donner le planning. On le rappelle, hein. On va faire le format du bracket avant. C'est un gros clickbait. Il n'y a pas de match après coup. On part sur les VCT Game Changer après. Et donc là, évolution. Voilà. C'est vrai que j'ai laissé échapper l'info à demi-mot tout à l'heure quand on en parlait. Mais en effet, changement pour les playoffs. Au final, ça sera 6 équipes sur les 10 qui passeront en playoff. Pas de lower bracket, comme vous pouvez le voir, mais directement l'équipe numéro 1 et numéro 2 qui seront en fait en demi-finale instantanément. Alors c'est vrai que c'est pas très clair sur la 7, mais elles auront un match d'avance, ce qui fait que le 4e et 5e s'affronteront d'abord, le 3e et le 6e en bas, et par contre c'est du coup du BO3 pour ces 2 premiers matchs, et après du full BO5 comme prévu. Donc on augmente, voilà, on passe à 6 équipes au lieu de 4, ça sera le fin mot de l'histoire. Oui, et du coup, il y aura aussi, forcément, si on parle de promotion, on est obligé de parler aussi de ce qui se passe en bas, puisque il y aura, il me semble, des barrages pour les dernières équipes, les 2 dernières équipes qui devront jouer contre les équipes ayant gagné le plus de points sur le circuit national français, donc VRC, Valo-TF, etc., qui auront aussi leur chance, finalement, de rejoindre la Ligue. Donc on voit que c'est pas une Ligue totalement fermée comme au Split 1, où il n'y avait absolument aucun changement. Là, sur le Split 2, on essaie de donner sa chance à tout le monde, on essaie aussi de donner leur chance à plus d'équipes pour accéder au VCT, parce que les fans de K-Corp m'entendront bien, c'est bien d'être champion de France, mais à l'échelle européenne, c'est encore mieux.
Oui, voilà. Surtout après ce qui vient de se passer. Sur League of Legends, dans l'idée, oui, c'est vrai qu'on devrait peut-être rappeler véritablement l'enjeu de la VRL Split 2 et de ce qui peut en découler après coup. Ouais. On ne peut pas recoller au format VCT, il me semble, en tout cas, sauf exceptionnelle surprise de la part de Riot. On peut accéder à un tournoi de promotion, en fait. Enfin, un tournoi où on retrouve tous les champions de Ligue régionale qui prendra place. Donc, je crois que Regional Finals, quelque chose comme ça. Je crois qu'on a un asset qu'on peut vous montrer pour ces up and down à venir. Mais du coup, en effet, on va avoir du coup un vrai brassage cette fois-ci, en tout cas pour le bas de tableau. C'est vrai que le niveau supérieur est un mystère à l'heure actuelle et on attend encore des nouvelles de Riot pour ce qui sera de 2023. Et oui. Mais vous le voyez ici, il y aura en effet du coup alors je crois que c'est les deux moins bonnes équipes de la ligue qui vont devoir jouer des matchs de barrage contre les quatre meilleures équipes du Val-OTF, en tout cas du circuit VRC qui se trouve en bas de l'échelle. Donc ça c'est une bonne chose parce que c'était plus ou moins annoncé pour le premier split, mais ça n'a pas vraiment eu lieu vu qu'on a augmenté le nombre de slots, on a invité des équipes supplémentaires. Là par contre c'est plus ou moins clair désormais, mais pour à la fin du second split en tout cas, et pour la suite de la ligue, parce qu'évidemment qu'elle reviendra en 2023, il faudra voir sous quelle forme, mais il y aura la possibilité de monter et de descendre pour à peu près tout le monde. Donc il y a un enjeu, faut pas finir dernier, voilà. Faut pas finir dernier pour cette saison. Oui, là il y a une petite pression quand même. C'est pas on a sa place garantie dans la ligue pour les splits prochains comme c'était le cas du coup sur la première ligue. Quel que soit le résultat, on restait pour le split prochain puisque tu l'as dit, on invitait deux équipes en plus et on ne bougeait pas les équipes déjà présentes. Donc là il y a un petit enjeu aussi de l'autre côté du tableau et peut-être que ça va donner encore plus faim. Peut-être sur certains matchs, tu vois. Je me dis, les matchs des outsiders, on avait vu sur la fin de la Ligue des matchs qui n'avaient plus trop d'enjeux entre des équipes qui étaient en bas de tableau. Là, on va comprendre que jusqu'à la fin de la Ligue, ça va se taper. Même et surtout en bas de tableau, puisqu'on jouera clairement sa vie. Et moi, j'ai hâte aussi de voir, tu vois, les joueurs sous pression. Au-delà du fait qu'il y ait beaucoup de viewers, au-delà du fait qu'il y ait beaucoup de gens qui les supportent, le fait de se dire, OK, là, si on perd, on a une chance de sortir de la ligue et de retourner dans le circuit amateur. Vrai contre-perf. Et voilà, c'est ça. Et pas juste une contre-perf en mode bon, on est dernier, mais on vient. Voilà, on est dernier, mais il se passe rien. Médaille en chocolat, puis voilà. Et au prochain split, on est là. Non, là, c'est limite, tu perds, tu sors, en fait. Et ça, je trouve que c'est quand même bien de mettre une pas tout à fait, puisque tu peux encore rejouer. Tu peux encore revenir, mais tu dois faire tes preuves. On l'a eu avec Big, là, par exemple, pour les Challengers. Big qui a fini dernier des Challengers. Ils ont fait les matchs de barrage et ils ont réussi à rechoper leur place en battant les équipes de Ligue régionale. Donc quelque part, voilà, c'est pas encore fini, mais c'est clair que c'est quand même une pression qui s'ajoute sur les équipes. On va passer maintenant peut-être sur le planning qui nous attend à partir de lundi, évidemment. On l'a pas encore, autant pour nous, donc on vous donnera quand on l'aura. On va peut-être lancer les pronostics. Ah ouais. Exercice difficile, exercice butoir, mais exercice tout de même. C'est un peu tôt, en fait. La tier list XMS, on a le droit de la faire ou... ouais. Parce que moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec une certaine structure que tu représentes quelque peu. Donc, pas trop envie de me mouiller. Je me désolidarise de ça, mais dans l'idée, c'est clair. Si on devait mettre, ne serait-ce qu'un... Allez, sur les playoffs, qui est-ce que vous verriez, vous? Donc là, on parle de 6 équipes en play-off. On parle de 6 équipes en play-off, c'est assez large. Quand même. Énormément de prétendants. Je pense qu'un des plus évidents, ça serait les Mad Lions, avec toute la présentation qu'on a pu vous faire. Ça serait logique de les retrouver ici. J'aurais envie de dire quand même OG par rapport aux résultats et au fait qu'ils n'ont pas trop changé. Et après, il y a beaucoup de prétendants en Mandatory. Carmine, évidemment. On vous présente Weeper, c'est la Suisse. Voilà. La grosse Suisse, mais genre la vraie bonne grosse Suisse. La neutralité absolue. Il y a 6 places en vrai. C'est vrai. La sagesse. Je suis curieux d'avoir tes pronos, je t'écoute, ma chère Lou. Moi, je dirais. Dans l'ordre, s'il te plaît. Dans l'ordre, très bien, je vais te dire l'ordre, pas de souci. Vas-y. Mad Lions, Carmine, BDS. Carmine, BDS, je pense que ça va vraiment se taper, mais je vois quand même Mad Lions et XMS tout en haut. Carmine, BDS, je me prononce pas, je dirais égalité à la deuxième place. En quatrième, je te rejoins sur les OG qui, pour moi, ont leur chance. Cinq, sixième, je pense que ça va se jouer entre MDR et Vitality, je pense. MDR, Vitality Moi, je vois Vita plus haut, je vois MDR plus haut aussi, surtout. Ouais. C'est dur, hein. Franchement, ça va être très dur. Bref. Le top 6, c'est vrai qu'il se dégage de manière plutôt claire. Parce que là, en fait, naturellement, on est en train d'exclure un peu BG News, Sector One, VMS, Wild et VMS. Donc le top 6, bon, on pourrait trouver qu'il est relativement limpide. Mais après, cette hiérarchie dans le top 6, elle est quand même vachement dure. C'est dur, je suis d'accord. Entre les équipes qui sont toutes nouvelles. Oui, bien sûr. Et toi, du coup, on va te faciliter la tâche. Un top 3 pour toi. Vas-y, top 3, Emma.
Ah, là, vous me mouillez de fou parce que vous savez très bien que je vais dans le top 3. Vas-y, top 6, vas-y, t'inquiète pas, pas de piège. Bon, pour noyer le poisson, évidemment, on ne dira pas qu'Acorp premier direct, on va dire qu'Acorp dans les trois premiers, avec Mad Lions et BDS à mon goût. Après coup, pour pas bouffer des crocs McDo jusqu'à septembre prochain, on va dire Vitality. Et après coup, même, je pense qu'on va partir sur MDR, le sixième slot étant, à mon avis, un petit peu compliqué à préméditer. Voilà. Donc, Stimoji coup, encore là. Non, en fait, l'idée, c'est que c'est vrai qu'en fait, on est face à des. Pour moi, tu vois qu'Acorp, ils vont arriver, on l'a dit, Takas, il est mort de faim, etc. Et ils vont vouloir prouver directement sur le serveur. Mad Lions, ils ont plus rien à prouver. BDS, pour moi, c'est aussi l'une des meilleures parties de Vitality qui part littéralement rejoindre des joueurs ultra confirmés. Donc, si tu veux, en fait, forcément, ça stack les trois premières places et ça laisse moins de choix, à mon sens, pour OG. Mais c'est vrai que dans le top 6, je les mets clairement. Je sais pas si le planning est déjà. Et déjà, il est prêt. On frotte la lampe, hop, on va avoir le planning qui va arriver. C'est ta blague. Dans 3, 2, 1. Maintenant. Voilà, merci la régie, let's go. Donc, à quel stade on sera mangé? Vous voyez le premier match, ça sera Mandatory contre OG, VMS contre BG News. Vous avez des yeux, je ne vais pas revenir sur chacun des matchs. Vitality 20h, K-Corp 21h. Il y a quand même un match qui ressort de fou. Mad Lions lundi, BDS. Hein. Mais Mad Lions BDS, il y a en Mad ouverture. BDS, Mandatory VMS OG, pour moi, c'est big aussi. Mais mardi, le K-Corp Mandatory, il a évidemment une aura particulière, bien sûr. Il a attendu au tournant. Choisissez votre chevalier, Zerator ou Camel. De mon côté, le choix est déjà fait. Je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté. Mais là, ça va être un vrai banger, je pense. Oh là 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 là. Donde esta Mandatory. Oh, quoi, pardon. Désolée. Elle commence si tôt. Du coup, oui, là, donc, évidemment, tous les matchs déjà assurés. Mercredi, jeudi, vous les avez aussi. Ouais, les deux super week, hein, du coup. Les super week à côté, exactement. Ça sera l'équivalent. Voilà, en fait, c'est uniquement pour le mois de mai. Pour le mois de juin, on reviendra plus tard. On va pouvoir vous remercier et conclure la chose. Vous avez été nombreux du coup à suivre ce pré-show. On vous remercie pour cela, bien évidemment. Après coup, on le rappelle, clickbait. On ne part pas sur un match GVRL, mais bel et bien sur les VCT Game Changer, ouais. Donc le plus haut niveau de l'Europe en termes de compétition féminine. G2 Gozen contre Guild X, un banger à n'en pas douter. Restez avec nous pour la suite. Merci beaucoup, merci Lou, merci Renaud. Et à merci demain à pour la Ligue. Et à lundi pour la Ligue, bien sûr. Mmh.